En direct de chez Patrick Durand, c'est là. En direct. En direct. Ou en différé, comme on dit. C'est les plus belles gravures que j'ai jamais vues. C'est le Faust. Un Faust. C'est ce qu'on appelle un vrai in-folio. Alors les gravures, vous voyez, elles sont pas mal. Mais c'est pas les plus belles. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a par moments des gravures qui sont... On se demande comment c'est humainement possible d'avoir fait des trucs comme ça. C'est pas une photo, hein. C'est une gravure. Ça veut dire que ça a été dessiné. Oui, ça a été dessiné à la main. Donc c'est assez impressionnant, non? Ah ouais. Et c'est un livre qui date de quand, ça? 1883. Waouh. Il y a une précision. Ah oui, ah oui, c'est hallucinant. Et... Puis il y a pas vraiment des lumières à l'intérieur. Enfin, c'est hallucinant, quoi. C'est quand même quelqu'un qui a dessiné ça. Hein. Regardez celle-là. Oh là là, oui. La lumière qui sort de ça. Voilà, c'est incroyable. Ça a été fait à la main. Chaque trait, chaque détail qu'on voit partout à l'intérieur, c'est un trait de plume. Vraiment, la personne qui a fait ça... Elle, ah, c'est de la folie, quoi. Si on se demande comment on peut avoir fait ça. La lumière dans le visage, le... On a dit des photos, quoi. Ouais, des visages, ouais. Ça ressemble pas bien. C'est... Ouais, c'est du dessin. Voilà. Super. Même la couverture est pas mal. Ça, c'est... 19e siècle, quoi. 19e siècle, oui, 1883. Il faisait plus de... On fait plus de les grands livres comme ça. Ça non, se fait plus, ce genre de... On fait plus de livres du tout. Donc là, il y avait vraiment le côté d'un objet précieux, quoi. Ah oui, 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 le livre était essentiel, était important. Même en dehors de ce qu'il y avait dedans, l'objet lui-même. Oui, l'objet lui-même, ouais. Ah, oui. C'est pour ça que les livres sont essentiels. C'est parce que, en dehors de ce que ça véhicule, il y a l'objet, les gens qui l'ont touché pendant des siècles, et il y en a qui mettent dedans des annotations. Donc ça veut dire que siècle après siècle, les gens nous aident, nous transmettent un message. Le type qui l'a écrit dedans, j'ai un livre par exemple où il faut savoir que les mesures anciennes, les unités de mesure anciennes, sont difficilement compréhensibles. Un grain, une goutte, un scrupule, un soupçon, tout ça, c'est des mesures. D'accord, c'est des mesures. Oui, hein. Oui. Donc quand on dit un soupçon de vin, vous avez un soupçon, c'est pas beaucoup, c'est pas gros, parce qu'un soupçon, c'est 0,8 g. Donc quand vous avez un soupçon, c'est pas beaucoup. On dit, donne-moi un soupçon de ça, ah, en ouais, réalité, voilà. Ça se mesurait. Ou une goutte, ça se mesurait. Alors comme moi, j'avais pas la moindre idée, il y a quelqu'un qui avait un livre avant moi, mais bien avant moi, c'est-à-dire au 19e, et c'est au moment où on est passé au système métrique. Alors, dans la marge, il a mis toutes les correspondances. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, j'ai les correspondances entre les valeurs anciennes et les valeurs d'aujourd'hui, grâce à quelqu'un qui a eu le livre avant moi, et qui m'a transmis quelque chose sans me connaître. Incroyable. Ouais, bah donc, toutes ces expressions, elles sont issues de vraies mesures, quoi. Donc, ah oui, de, oui, 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 de oui, vin, oui, un soupçon oui, de... Oui, d'accord. Oui, oui. Donc, c'est devenu des expressions. Voilà, tout à fait. C'est ça qui est assez fantastique, ça veut dire que dans la langue, on retrouve toute une histoire derrière une expression, un mot. Tout à l'heure, on parlait de l'expression « prendre son pied ». Tout à fait. Et c'est relié donc à une... comment dire... Donc, vous nous expliquez le fait de comment on appelle ça, de prendre les voleurs qui mettent oui, oui, sur oui, le pied. Oui, il y a plein d'expressions populaires comme ça... Ils sont rentrés dans la ville tous les jours sans savoir ce que c'était. Bon, il faut savoir que pendant tout le Moyen-Âge, les voleurs se regroupaient en guildes et que personne ne pouvait être un voleur indépendant, quoi. C'est-à-dire qu'il devait faire partie de la profession. On avait quasiment une carte professionnelle de voleur.
Et il y avait des professions complètement, j'allais dire, organisées. Il y avait les estropiés, il y avait ceux qui se traînaient par terre. Et il y en a qu'on estropiait volontairement. C'est-à-dire qu'on prenait des enfants, on leur cassait une jambe. Et après, ils se traînaient par terre et ils faisaient la manche. C'était un métier, quasiment. Il y avait les aveugles, c'était vraiment une fonction, une profession. Et tous ceux-là, ils étaient inféodés au roi des voleurs. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment une hiérarchie. Il y avait vraiment le patron, et puis il avait ses lieutenants, et puis il était responsable d'un quartier. Enfin, c'était vraiment très bien organisé. Et donc, pour faire un partage équitable, déjà à l'époque, c'était, ce qui est quand même paradoxal, c'est que la société des voleurs était plus juste que celle des autres. C'est qu'ils volaient tout ce qu'ils pouvaient voler, et puis ils allaient à la cour des miracles. C'est là où était le roi des voleurs, et ils faisaient le partage. Donc le roi des voleurs, il avait une grosse bassine, on mettait dedans, d'où l'expression cracher au bassinet. Cracher au bassinet, je parle de l'expression qui a traversé le temps encore. Exactement, c'est-à-dire la petite bassine, ouais. Bon, qui n'était pas si petite que ça, parce que quand même, le roi des voleurs était très riche. Ouais. Et puis le reste, on l'étalait par terre devant lui, puis les voleurs venaient chacun à leur tour, puis mettaient un pied dessus. Et ils avaient le droit de prendre ce qu'il y avait sous le pied. Et d'où l'expression prendre son pied. Vraiment, si c'était juste, parce que c'était un grand voleur, un gros voleur, et bah, il prenait beaucoup. Si c'était un petit voleur, bah, il prenait un petit peu. Voilà, et c'est très organisé. Et il y a plein d'expressions françaises comme ça qui sont la déformation de quelque chose ou qu'on n'a pas compris et qu'on a traduit. Par exemple, être sur son 31. Être sur son 31. Voilà, une expression qu'on a. En réalité, c'était un tissu qui s'appelait le 31. C'est-à-dire 30 fils de soie ou de lin et un fil d'or. Donc évidemment, celui qui avait les moyens, il pouvait mettre un pourpoint qui avait ses fils de soie et ce fil d'or, et donc on disait qu'il était sur son 31, et c'est devenu être sur son 31. Il y en a d'autres aussi, payer rubis sur l'ongle. Payer rubis sur l'ongle. Là, ça veut rien dire, est-ce qu'on a un rubis sur l'ongle? Ben non, c'est les vendeurs de pinards, de vin, ils vendaient des tonneaux, et on le payait que quand le tonneau était vide. Alors comment on faisait? On mettait des bouteilles dessous, on vidait donc le tonneau dans les bouteilles, et pour être sûr que c'était vide, on penchait la barrique et on mettait le pouce dessous. Et s'il restait une goutte, ça veut dire qu'elle était vide. Donc c'était un rubis sur l'ongle. Ah, et donc, on payait cette fois rubis sur l'ongle, c'est-à-dire, ben voilà, maintenant la barrique elle est vide, donc je te paye. Donc je te paye. Ça, c'est incroyable, ces expressions comme ça, voilà. Parce qu'il y a donc toute une... je trouve, presque, il y a tout notre passé un peu dans la langue. Puis c'est des fois, c'était des expressions vivantes, et pour nous, ça nous relie, effectivement, à notre passé. Il y a plein d'expressions aussi, quand on dit pendu ou marié. Pendu ou marié, on connaît cette expression. Il faut savoir qu'au Moyen-Âge, il y avait des filles qui faisaient le trottoir, comme aujourd'hui d'ailleurs. Et à un moment, les autorités en avaient assez. Alors ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils les prenaient, ils les ramassaient dans la rue, puis ils les pendaient. Là, on n'était pas aussi délicat qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on réglait les problèmes. C'était radical. Sauf, sur l'échafaud, ils étaient là, et s'il y avait quelqu'un qui venait les épouser, c'est-à-dire finalement les faire rentrer dans la normalité, alors on les pendait pas. Donc c'était pendu ou marié. On va peut-être ressortir le... Ah, je sais pas. Je sais pas s'ils avaient le choix. Mais c'est des expressions incroyables. Donc voilà, donc on avait... Et puis ce qui est intéressant, c'est que ça revient dans le temps. Alors après, vous savez que je suis un hystérique de la langue des oiseaux. Et que ça nous donne des clés, des tas de choses. Par exemple, dans la cuisine, par exemple, quand on faisait des plats de gratin, bah, c'est quand le gras éteint. C'est-à-dire quand vous mettez du beurre et que si vous mettez du beurre dessus, eh ben ça prend une couleur, donc c'est du gratin. Quand vous prenez des biscuits, vous savez, c'était quoi les biscuits? C'est des gâteaux, mais il fallait que ces gâteaux ils résistent pour les marins, par exemple. Et on s'était aperçu de quelque chose, c'est quand on retire toute l'eau, alors ça se décompose moins. Donc c'est pour ça qu'ils sont très durs. Mais c'est pour ça que pour qu'ils soient très durs, il faut qu'on les cuise deux fois. Donc c'est des biscuits. Cuit deux fois. Alors, on a aussi de la porcelaine. Il y a de la porcelaine qu'on appelle le biscuit. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'on prend la porcelaine, on la cuit deux fois. Les fruits confits, c'est les fruits confits. Dans le passé. On a pris des fruits, on a mis du sucre dessus. Le sucre a fait que ça l'a conservé. Et donc, c'est bien des fruits confits. Une autre fois. Confits, une autre fois. Voilà. Non, mais c'est toujours incroyable, cette corrélation. Et j'ai eu des informations...
qui est calé dans le sens que le français et cette langue des oiseaux aura été très inspiré par des communautés égyptiennes qui seraient venues en France. Est-ce que c'est écrit ? Non. Non, je pense pas, parce que déjà les racines de la langue ont rien à voir. Mmh. Et en plus, les communautés égyptiennes, ça faisait un moment qu'elles ont disparu quand la France a été créée. Hein. C'est, par contre, ce qui s'est passé, c'est que il y avait des tribus nomades qui vivaient en Égypte. Mmh. Et ces tribus nomades qui vivaient en Égypte, bah, se sont baladées partout dans l'Europe. Et c'est ce qu'a donné les gens du voyage. D'ailleurs, dans certaines langues, les Roms, on les appelle des gypsies. Les gypsies, donc oui. Des Égyptiens. Et c'est, ça veut dire que ce n'étaient pas des Égyptiens, mais c'est des gens qui descendraient de tribus nomades. Alors la langue des oiseaux, non. On en trouve des traces. Ce qui ressemblerait le plus, et le plus ancien, c'est ce que les Hébreux font avec la Kabbale. Ouais. C'est-à-dire cette capacité de comprendre des mots autrement à travers les lettres. Après, évidemment, on a les Grecs. Et on a les latins. Et le français est issu du latin. Donc, il est beaucoup plus probable que ça vienne de tradition latine plutôt que de tradition égyptienne. D'autant plus que l'égyptien, on n'a pas eu la moindre idée de ce que c'était avant Champollion. Et ça, c'est la campagne d'Égypte en 1797. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'avant 1797, personne ne parlait égyptien. Personne non plus n'avait la moindre idée de ce que c'était. Ceux qui parlaient le plus cette langue, et d'ailleurs c'est comme ça que Champollion a découvert les hiéroglyphes, c'est les Coptes. Oui. Et aujourd'hui encore, les Coptes en Égypte, c'est ceux qui font souche. C'est-à-dire que c'est eux qui sont les héritiers directs des Égyptiens. Les Égyptiens, aujourd'hui, la majorité de la population, c'est des Arabes. Oui. C'est-à-dire que ça a été une invasion de tribus au VIe siècle qui se sont installées, mais ceux qui faisaient souche à cet endroit-là, c'était des Coptes. Donc la langue des oiseaux, elle naît surtout bon, à travers la Kabbale. Les Égyptiens, peut-être, l'utilisent, mais bien qu'ils utilisent plutôt des hiéroglyphes, c'est-à-dire des dessins, des formes. D'ailleurs, à travers les formes et les dessins, on peut aussi trouver des clés. Mais ce n'était pas la peine de permuter les mots, puisqu'on avait les dessins. Ce n'est pas la peine de changer la structure des mots, puisque les dessins parlaient d'eux-mêmes. Quand vous avez un personnage qui est à genoux puis qui fait ça, ça veut dire « j'offre quelque chose ». Ce n'est pas la peine de le traduire autrement. Bon, quand on parle de l'éternité, par exemple, c'est cette forme-là, avec un serpent dessus, c'est le pain. C'est-à-dire que c'est avoir toujours du pain. Donc, c'est pas la peine de faire des permutations de mots pour comprendre ça. Alors, la racine, une fois que les latins arrivent ici, ils changent la langue, hein, puisqu'ici, on a une langue gréco-latine, on a des imports avec quelques langues celtes, on a un mélange de choses. C'est surtout les bâtisseurs, c'est surtout au Moyen-Âge qu'on utilise et qu'on crée cette langue. Et on la crée pour une bonne raison, c'est qu'on ne veut pas que les autres comprennent ce qu'on dit. C'est des secrets de fabrication, et moi je fabrique un truc, et si j'en parle avec un autre compagnon, je n'ai pas envie que quelqu'un d'autre qui écoute. Alors dans les pays c'est ça, dans les régions c'était ça quand on parlait patois. Le patois c'est pour que l'autre ne comprenne pas, d'ailleurs c'est patois. Moi je parle, puis toi tu ne comprends pas. Alors après, on a eu toutes les langues de corporation. C'est-à-dire les bouchers, par exemple, l'argot des bouchers, il n'y a que les bouchers qui comprennent. Ah oui, j'avais entendu parler, ils mettent des âmes... L'argot des bouchers, c'est l'argumuche des louchébèmes. Voilà. Voilà, c'est-à-dire qu'ils mélangent des choses et on a... Et quand, moi j'ai entendu des gens qui parlent comme ça, on ne comprend rien du tout. Hein. Et c'est fait exprès. C'est une manière de renforcer la corporation, la communauté, et surtout garder les secrets à l'intérieur. Alors les premiers qui utilisent ça... C'est ceux qui transmettent l'information. Il n'y avait pas la télé à l'époque. Donc pour transmettre l'information, il y avait des gens qui allaient de ville en ville, de château en château, et qui racontaient les infos. Alors des fois, elles étaient un peu passées, parce que le temps qu'ils viennent, l'info, elle était partie. Ou ils racontaient des histoires, des grandes histoires de l'humanité. C'était un peu le spectacle, quoi. Alors ils racontaient ce spectacle-là, et dedans, ils pouvaient cacher des messages subliminaux qui sont compris par certains. Et ceux qui faisaient ça, c'était les trouvères. Donc les trois fois vert. Encore, même dans leur nom, il y avait le nom de la langue des oiseaux, puisque vous savez que le mot vert, la couleur verte, c'est la connaissance des choses cachées. Souvenez-vous, nous on est dans une bulle, on habite à l'endroit, puisque quand on dit à quelqu'un de quel endroit tu viens, c'est qu'il y a forcément un envers. Et à l'envers est la connaissance, puisqu'il y a la lumière, donc on a mis et on a décidé que c'était cette couleur verte. Donc à chaque fois qu'on verra cette couleur verte quelque part,
C'est un symbole dit attention, il y a quelque chose de caché derrière. Alors il s'appelait les trouvères. Alors, forcément. Et ça, c'est ceux qui étaient dans le nord, puisque vous savez qu'entre le nord et le sud, on n'avait pas la même langue. On avait la langue d'oc et la langue d'oil. Donc, la langue d'oc qui a laissé la région du Languedoc au sud, et la langue d'oil qui est le nord. Donc à l'œil, c'était les trouvères, et en bas, c'était les troubadours. Mais c'est un peu comme la tradition africaine où on a les griots. Le griot, c'est celui aussi qui a toutes les généalogies, qui raconte toutes les histoires. Il faut savoir qu'à l'époque, les traditions, elles étaient plus orales qu'écrites. Donc il fallait bien qu'il y ait quelqu'un qui transmette ces informations. Alors ces trouvères nous racontent des tas d'histoires. Alors, ils nous racontent des grosses, des grandes légendes, la chanson de Roland. Des... Imaginez, il n'y a pas de télé, mais il y a des conteurs qui sont capables de nous mettre dans le bain. On y croit, quoi. C'est-à-dire que vous êtes ici dans la salle d'un château, ou alors au milieu du village, c'est la nuit, il y a un feu au milieu, il y a un type qui est assis, et il commence à raconter. Et là, on voit les personnages qui arrivent, on y croit, on est dedans, on est au milieu de la bataille, on voit des dragons, on voit des merlins, on y croit, on est dedans. Hein. Le 3D qu'on a aujourd'hui, c'est de la rigolade par rapport à ça. Hein. On y croit tellement que bah, il participe, et quand il ménage ses effets, il dit ici, il y a le dragon qui arrive, et là on voit tous les enfants qui crient, qui parlent partout, dans tous les sens. On y croit. Et il sort des accessoires, c'est-à-dire qu'il ouvre sa musette, et hop, qu'est-ce qu'il sort ? Une corne de dragon. Il la fait passer à tout le monde, et tout le monde, ah, ça prouve bien que c'est vrai, il y a une corne de dragon. Il dit, j'y étais. Il parle à la première personne, et on y croit. Alors c'est tellement fort qu'il y a des gens de corporation, c'est-à-dire des gens qui fabriquent des choses, se disent, et si à travers ces histoires-là, qu'on raconte à tout le monde, il véhiculait des secrets de fabrication. Moi, j'appartiens à la corporation des verriers, j'ai trouvé quelque chose, et j'aimerais bien que tous mes amis verriers, même ceux que je ne connais pas, connaissent ce secret de fabrication. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'intégrer dans une histoire, sans même savoir, sans dire ce que c'est. Ça veut dire que celui qui raconte cette histoire, il ne sait pas forcément ce qu'il dit, mais celui qui l'entend, si ça arrive au bon endroit, eh ben, il va comprendre quelque chose. C'est par exemple les contes et les comptines. Vous savez, la souris verte qui court dans l'herbe. Je ne sais pas si on en avait parlé déjà. Mais une autre, au clair de la lune. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ma chandelle est morte. Ouvre-moi ta porte pour l'amour de Dieu. Ça ne veut rien dire. Mais si j'écoute un peu au clair de la lune, mon ami Pierrot, et bien peut-être que c'est quand je présente ma pierre à la lune, ça va faire une pierre qui se transforme en eau claire. Et bien c'est ça. En gros, je vais vous expliquer un truc, on va prendre une matière, on va la présenter à la lune, ça va faire un liquide, et dans ce liquide, il y a la lumière qui va descendre. Pourquoi ? Parce que mon chant d'elle est mort. Mais nous, on va entendre le chant d'elle est mort. Donc ça veut dire que le volatile s'est fixé. Ben, c'est un mode d'emploi, c'est une manière de fabriquer quelque chose. Il y en a un autre, Cadet Roussel à trois maisons. Cadet Roussel à trois maisons. C'est Cadet Roussel à trois maisons. Mais si j'écoute Cadet, c'est jeune, roux, c'est rouge, et sel, c'est le sel. Donc c'est un jeune sel rouge. Et bien ça c'est un autre mode d'emploi. Et puis en plus il a trois maisons, il n'en a pas 12, il n'en a pas 8. Donc 3 ça va être important, puisqu'on fait 3 passages, puisque tout ce qui est autour de nous on appelle ça la matière. Mais on entend l'âme à tiers, un tiers d'âme et deux tiers d'autre chose. Donc voilà, quelqu'un qui va raconter cette comptine, eh bien va savoir qu'il se passe quelque chose. Donc à travers toutes ces contes et ces comptines, eh bien, pour pouvoir cacher ces secrets, on va utiliser cette langue. Et cette langue porte le nom, évidemment, de la langue verte. Donc là, on est au Moyen-Âge. D'ailleurs, on dit « tu m'as répondu vertement ». Et à l'époque, comme on ne comprenait pas ce qu'on disait, il y avait les sauvages de l'époque. Et les sauvages de l'époque, c'est quoi? Ceux qu'on fait du gothique. Vous savez que là, on est au roman. Le roman, ça veut dire que c'est rond, ça veut dire qu'il n'y a pas d'ornement, ça veut dire que c'est plutôt lourd, il n'y a pas de grandes ouvertures, il n'y a pas de grandes fenêtres. Et à ce moment-là, il y a les types qui décident. Nous, on est les hooligans de l'époque. Et on va faire des trucs incroyables, vous allez voir, on va vous faire des bâtiments super hauts, avec des fenêtres partout, avec des flammes qui sortent. Alors imaginez, les gens ils étaient habitués à des trucs sobres, ils voient ça. Nous on trouve ça génial aujourd'hui les cathédrales. Mais les gens qui voyaient ça à l'époque, c'était des beaux-bourgs. Hein. Donc ça veut dire qu'ils disaient, bah non, c'est des sauvages, on va pas faire ça. Alors comme c'était des sauvages, c'était des goths. Et donc évidemment, c'est devenu l'argot. Et l'argot est devenu l'argot. Et finalement, toutes les langues d'argot... C'est une manière de transmettre des secrets sans qu'on sache vraiment comment, pourquoi, d'où ça vient, puisque c'est une langue qui va cacher ses secrets à l'intérieur. Alors vous voyez, elle va surtout prendre son essor au Moyen-Âge,
avec les bâtisseurs, avec les troubadours, avec les trouvères, mais là-dedans, point de trace d'Égyptiens. Et justement, les bâtisseurs de cathédrales, qu'est-ce qu'on sait exactement d'eux? Parce que bon, on a vu qu'il y avait beaucoup d'alchimie sur les cathédrales, ce qui veut dire qu'ils en avaient une connaissance, on va dire, très aiguisée. Mais quelles informations on a sur ces bâtisseurs? Parce que les cathédrales, elles arrivent un peu comme ça dans l'histoire européenne. Ouais, enfin, elles arrivent, elles ont mis des siècles pour les construire, c'est-à-dire qu'elles n'arrivent pas non plus comme ça. C'est un peu un changement de style. D'ailleurs, on voit des lieux qui sont un peu entre les deux, entre romane d'abord, puis on rajoute des trucs gothiques. Ouais. Donc c'est un peu une mode, un style, puis surtout un savoir-faire. C'est-à-dire qu'avant, on ne savait pas construire des bâtiments élevés parce qu'ils nous tombaient sur la figure. Donc il a fallu inventer une nouvelle architecture, et on peut dire que c'est des progrès techniques, c'est-à-dire la capacité de faire des cintres en fer, c'est-à-dire pour tenir les pierres. Avant, on ne savait pas le faire. La capacité aussi d'avoir une architecture avec des arcs-boutants, qui permettent d'éviter que les murs hauts tombent sur les côtés. Donc, puis les voûtes en plein cintre, c'est-à-dire qui permettent de répartir la charge. Donc, il y a un réel progrès technique qui naît. Et dès l'instant qu'on a ce réel progrès technique, ben, y a des gens qui les ont, ça. Mais ça veut dire que c'est leur beefsteak aussi. Et comme c'est leur beefsteak, ils gardent ça secret. On imagine aujourd'hui que les compagnons, qu'on parle les compagnons du devoir, les compagnons du Tour de France, c'est des corporations qui naissent à ces époques-là, qui s'adoraient, qui s'adoraient pas du tout, ils s'entretuaient. C'est-à-dire que s'il y avait deux corporations différentes qui étaient sur le même chantier, c'est pas y va-t'en, c'est ils se tuaient. Et c'est-à-dire que s'il y en avait un d'une corporation qui était malheureusement sur le chantier d'un autre, il avait intérêt à courir parce que sinon il était mort. Et quand ils se croisaient sur les routes, ils avaient intérêt à faire un détour, sinon ils s'entretuaient vraiment. Donc ça veut dire que les secrets étaient vraiment gardés. Alors, fort de ces informations, on n'a pas beaucoup d'informations dessus. Parce que justement, par défaut, ils les gardaient. Et il faut savoir aussi qu'il y a peu d'écrits. Et il y a une raison à ça, c'est qu'ils mettaient leurs secrets dans la pierre. Donc ça aurait été, on ne va pas mettre le secret dans quelque chose puis l'expliquer dans un livre. Sinon c'est plus un secret. Et c'est vrai que c'est la discussion que j'ai souvent avec des gens qui font de l'histoire de l'art, quand je leur parle d'alchimie et de bâtisseurs, et je leur dis, ben voilà, c'est marqué dans les murs, ils disent, oui, mais comment tu peux dire ça, parce que c'est pas écrit. Oui, mais c'est normal que ça soit pas écrit, puisqu'on l'a mis dans la pierre. Alors vous voyez, on a un peu ce côté un peu ambigu de dire, ouais, mais vous racontez n'importe quoi parce que c'est pas écrit, et de dire, mais non, je raconte pas n'importe quoi, parce que c'est juste pas le même support. C'est-à-dire qu'au lieu de l'écrire dans les livres, ben on l'a mis dans un livre de pierre, c'est-à-dire qu'on l'a sculpté. Alors, on ne connaît pas vraiment, puis il y a aussi autre chose de très fondamental avec les bâtisseurs, c'est qu'ils croient à ce qu'ils font. Et il faut savoir aussi que c'est des vedettes. Hein. C'est-à-dire que quand on a un bâtisseur, un vraiment bon sculpteur, il est demandé partout. Hein. C'est Madonna. Hein. C'est-à-dire que il faut savoir que la France, avant, c'était des petits états. Donc, c'est qu'à chaque fois qu'on allait d'une ville à l'autre, il y avait une douane, puis on payait. Oui, on payait. Alors, ces vedettes-là disaient, écoutez, vous êtes bien gentils. Vous m'avez demandé de venir dans telle ou telle ville, c'est vous qui m'avez demandé, moi je veux pas payer les taxes. Sinon je viens pas. Et comme c'était vraiment des vedettes, ben on a cédé quoi. C'est-à-dire que les nobles se sont mis d'accord, puis ils ont dit on va vous faire un papier, et puis vous le présenterez à toutes les frontières, et vous payerez pas. Et comme vous construisiez des trucs, vous êtes des maçons, mais comme vous payez pas la taxe, vous êtes des francs-maçons. Et c'est là où va naître le titre des francs-maçons qui sont des opératifs, c'est pas la maçonnerie d'aujourd'hui. Mais c'est là où vient le mot en disant vous êtes des bâtisseurs mais vous payez pas d'impôts. Ah, d'où cette filiation qu'on est exactement cathédrale franc-maçon. Exactement. Etc. C'est pour ça qu'on va avoir avec la franc-maçonnerie moderne cette filiation entre les bâtisseurs qui sont des opératifs. Après, c'est des sociétés d'hommes qui sont spéculatives, c'est-à-dire qui fabriquent rien, mais qui gardent la même philosophie. C'est-à-dire qu'on va bâtir, on bâtit des lois, on bâtit le bien-être des gens, ou bah, chaque corporation fait ce qu'il veut, mais c'est pas des opératifs. C'est-à-dire qu'on construit pas, on bâtit pas des cathédrales, on fait pas des choses. Donc c'est cette ambiguïté, c'est de dire que les bâtisseurs ont été là, c'est sûr, ils ont fait plein de choses, c'est sûr, mais qui ils étaient, qu'est-ce qu'ils ont fait, ben on n'en sait pas grand-chose. Alors on en sait encore moins, c'est que comme ils croyaient à ce qu'ils faisaient, c'est bâtir une cathédrale, c'est pas comme construire une maison. C'est-à-dire que celui qui commence à construire la cathédrale, il verra jamais la fin. C'est obligé.
C'est-à-dire une cathédrale, ça va se construire sur 100 ans, sur 150 ans, sur 200 ans, donc il sait que s'il met les premières pierres, il ne verra jamais la fin. Donc quel altruisme quand même. C'est-à-dire que vous construisez un truc, mais vous savez que jamais vous le verrez fini. Donc il faut avoir une vision quand même de l'humanité, de l'éternité, qui est beaucoup plus grande qu'aujourd'hui. Nous aujourd'hui on fait un truc, on voudrait le voir fini. Généralement on voudrait le voir fini vite. Mais eux, ils ont le temps. Et c'est ça aussi quelque chose d'important, c'est qu'ils ont le temps. C'est-à-dire que bah, s'il faut 100 ans pour faire un truc, bah, il faut 100 ans. Aujourd'hui, vous connaissez beaucoup de projets qui vont durer sur 100 ans. Il n'y a aucune chance. Hein. Nous, on voit tout à court terme. Et il y a aussi autre chose de fondamental, c'est qu'ils croient tellement à ce qu'ils font que ce qu'ils font passe avant eux. C'est normal, puisqu'ils ne vont pas survivre à leur œuvre. Et il y a quelque chose qu'on va remarquer, c'est qu'ils ne signent pas leurs œuvres. Vous pouvez aller voir dans toutes les cathédrales, les bas-reliefs, les sculptures, rien n'est signé. Rien n'est signé. Rien n'est signé. Ça veut dire que, vous voyez, j'apporte quelque chose, j'apporte mon art, je crois en ce que je fais, mais j'ai pas d'ego, c'est pas moi. Et à la Renaissance, tout change, on signe. Ça veut dire, on dit, c'est moi qui l'ai fait. À ce moment-là, la mentalité change complètement. C'est-à-dire que je travaille plus pour la communauté, pour la gloire, mais je travaille pour moi. En disant, je suis une vedette. Et évidemment, les gens qui achètent des tableaux à ce moment-là, les achètent pas forcément parce que c'est beau, mais parce que c'est machin qui l'a fait. Et à ce moment-là, on passe d'une vision de transmission quelque chose à une vision de l'individu. Et aujourd'hui, on est dans cette société, c'est pour ça qu'on peut avoir des bouses, mais si elles sont signées par quelqu'un de connu, on dit « Oh, quelle belle œuvre d'art, c'est merveilleux, c'est extraordinaire !» Alors que s'il y a un truc qui est beau, mais qui est signé par quelqu'un qu'on ne connaît pas, on va dire « C'est moins intéressant. » On est passé finalement de la beauté à l'esthétisme. C'est-à-dire que la beauté, c'est la capacité de voir la lumière en chaque chose, et l'esthétisme, c'est culturel, il faut qu'on m'explique. C'est beau parce que ça décore, mais c'est pas beau parce que ça raconte une histoire. Alors, il faut savoir que l'art, en général, jusqu'à très récemment, est toujours sacré. C'est-à-dire que c'est récent qu'on voit des paysages, qu'on voit des scènes, mais avant, c'était que de l'imagerie religieuse. C'est-à-dire que l'art ne sert qu'à ça, ne sert qu'à servir Dieu. Vous pouvez regarder toute la peinture du Moyen-Âge, il n'y a pas de paysage, il n'y a pas de scène, il y a quelques rares, il y a Bruegel qui a fait des choses, des scènes populaires, des fêtes, des choses comme ça, mais c'est rare. On a des portraits aussi. Oui, des portraits, ouais. Alors pourquoi on a des portraits? Parce qu'on se mariait à distance et que, évidemment, on envoyait la photo, entre guillemets, la peinture de la personne avec qui on allait se marier. Des fois, on avait des surprises parce qu'on recevait la peinture quand il avait 20 ans, puis lui, quand il arrivait, il en avait 80. Quoi. Donc, évidemment, et les filles, c'était pareil. Hein. Donc, on avait des portraits de cette nature-là. Donc c'est plus un état d'esprit, c'est plus une philosophie, c'est plus quelque chose global que de l'individualisme, ce qui veut dire qu'on ne parlait pas des gens. Donc comme on ne parlait pas des gens, on n'a pas d'histoire sur les gens. Alors qu'aujourd'hui, on dirait, machin, il a fait ça, voilà ses œuvres, voilà comment il a vécu, voilà où il est mort, voilà où il est né. Et du temps des compagnons, c'était pas le cas. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas de traces dessus. Parce que déjà, ils parlaient pas d'eux. Donc on ne parlait pas d'eux non plus. On en parlait au présent. C'est-à-dire qu'il y en a un qui voulait bâtir une cathédrale, il disait, moi j'en connais un, il a bâti une cathédrale dans cette ville, il est super bon, c'est à lui qu'il faut que tu demandes. Et donc il venait à ce moment-là. Alors il y a quelques maîtres dont on connaît les noms, parce qu'ils ont été glorifiés, et après leur mort, on a mis des cartouches, où on dit, c'est un tel bâtisseur de tel truc, qui a fait ça, donc on le sait. Mais il n'y avait pas de marketing direct, quoi. C'est-à-dire qu'on n'était pas dans l'idée de la glorification de l'individu, et par conséquent, on n'a pas d'informations dessus. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'infos comme ça. Non. Les seules informations qu'il y a, mais auxquelles on ne peut pas accéder, c'est les corporations. Oui. C'est-à-dire que les bâtisseurs de cathédrales appartenaient à des Cayennes, c'est-à-dire des maisons compagnoniques. C'est-à-dire que les compagnons vivent en communauté. Hein. C'est-à-dire que quand ils apprennent, ils sont dans une maison où il n'y a pas de femme, il n'y a qu'une seule femme, qu'on appelle la mère. Et celle qui s'occupe, qui fait à manger, qui s'occupe comme des enfants. Et ça veut dire que ses compagnons se retrouvent ensemble, ils mangent ensemble, ils vivent ensemble. Et ils ont aussi des cérémonies d'initiation. C'est-à-dire quand on change de grade entre apprenti, compagnon, quand on acquiert la maîtrise, eh bien, il y a des cérémonies. Et ces cérémonies, il peut y avoir des traces. Et là, il peut y avoir des traces de corporation. On peut savoir, puisque les noms sont marqués, qui était dans quelle ville, qu'est-ce qu'il a fait. Après, il a fait son tour de France. Donc il est allé dans telle ville, il a vu tel patron, il a fait telle chose. Sauf que ces archives, elles sont à l'intérieur des corporations et on ne peut pas y accéder. Donc ça veut dire que même s'il y a une filiation, même s'il y a une transmission, elle n'apparaît pas au grand public, quoi.
Et est-ce qu'on peut parler d'une espèce d'un langage universel de départ qu'aurait, on va dire, donné naissance à toutes les autres langues? Moi, je le pense. C'est-à-dire, bon, déjà, le langage universel, ça a été sans doute des grognements, des bruits, des... Mais nous partageons une langue qu'on appelle la vieille langue. C'est-à-dire qu'il y a une langue orale qui semble être universelle, qu'on entend dans tous les coins du monde, avec des sons qui sont semblables. Par exemple, quand Tolkien, il écrit, c'est un philologue, hein, ça veut dire qu'il invente des langues, mais il est construit comme des langues, hein. Mais ça veut dire qu'il prend aussi des sources dans différentes choses et il remonte à la source, au plus loin possible. Et il tombe sur certains mots qu'on va retrouver dans des tas d'autres choses. Il y en a un autre qui a fait ça à Bormann, les trois mots qu'il met dans la bouche de Merlin dans Excalibur, quand il dit Anal Navrar, Urvast, Befut, Doriel, Dienve. Évidemment, quand on entend ça, on a les poils qui s'érissent. Ça veut dire, et par ces mots, j'invoque le souffle du dragon. Et après, évidemment, il y a un souffle qui arrive, le dragon qui se manifeste. Cette langue-là, elle semble être la plus proche du verbe. Parce que qu'est-ce que c'est une langue, finalement, en dehors du fait de communiquer des concepts? C'est... Ça part du principe que la vibration préside à la forme. On a un acte de création, quand on lit les textes, on dit à un moment, il sépara la lumière des ténèbres, et ainsi de suite, il fait un certain nombre de trucs, et on dit à chaque fois entre, et il vit que c'était bon. C'est pas du tout ce qui a été dit. Quand on prend la traduction exacte, Kitov, il a fait, waouh. On n'a pas traduit ça comme ça. On a traduit, il vit que c'était bon, mais c'est pas du tout ça, il a fait, waouh. Heureusement qu'il n'a pas dit, il vit que c'était bon, sinon c'est très égoïste, très vaniteux, vous vous rendez compte. Moi je suis Dieu, je fais un truc, puis je fais, ouais, c'est cool, c'est bien ce que ça fait quand même. Et évidemment, ça ne peut pas être ça. Mais il a été tellement émerveillé par ce qu'il a fait, il a fait, waouh. Et ça, c'est peut-être le premier son, la première vibration, la différence entre l'unité et la création. On peut dire que la création, c'est un cri dans le silence. Un éternel moment présent, il y a tout et rien, comme une espèce de lac, une espèce de mer. Puis tout d'un coup, il y a une vibration. Et la vibration, on l'entend aussi dans les textes, parce qu'à un moment, on dit, il sépare l'eau d'en haut de l'eau d'en bas, et le souffle de l'éternel plana à la surface de l'eau. Et un souffle qui plane à la surface de l'eau, c'est quand vous soufflez sur l'eau, qu'est-ce qui se passe? Il y a une vibration. Et la vibration crée la forme. Donc la forme naît du souffle. Et le souffle, c'est la parole, et la parole, c'est le logos. Mais le logo, c'est le logo. C'est pour ça que vous avez des logos sur les cartes. Et un logo qui marche, c'est celui qui porte la parole. Ce qui veut dire qu'au-delà de toutes les langues, il y a peut-être des combinaisons de vibrations qui créent. C'est-à-dire non seulement elles expliquent, elles expriment des choses, mais c'est plus que ça encore. Elles créent, elles fabriquent. D'ailleurs, l'alphabet, si c'est un alphabet, c'est un alphabet sacré. Et s'il est sacré, ça crée. Je prends comme exemple, vous prenez une enceinte acoustique, vous mettez du sable dessus, vous faites un son, le sable prend une forme. Vous changez de son, le sable prend une autre forme. Et la question, c'est, elle est où la forme? Elle n'est pas dans le sable, elle est dans le son. Mais si c'est vrai sur le sable, pourquoi ça ne serait pas vrai pour tout? Cette table, si c'est une table, c'est peut-être parce qu'il y a un chant de table dedans, une musique. Donc finalement, dans la matière qui est autour de nous, et nous y compris, le plus important, ce n'est pas la matière, mais c'est la vibration qui est dedans. Et si je change la vibration, alors je change la forme. Vous imaginez la puissance de cette langue qui, chaque mot, crée quelque chose? Eh bien, c'est le verbe créateur. Et c'est la différence, justement, entre nommer et créer. Si je reprends la même table et je dis « table », tout le monde sait de quoi je parle, mais c'est pas pour ça que j'en ai une. Par contre, dedans, pour que ça soit une table, il y a un plan de table. Parce que sinon, si je la secoue, tous ces composés partiraient dans tous les sens. Donc s'ils ne partent pas, c'est qu'il y a bien quelque chose à l'intérieur qui va dire à chaque atome « voilà quelle est ta place et voilà à quoi tu sers ». À tel point, c'est que si je retire le plan, bah, ça devrait se désintégrer. Mais le plan, c'est de la musique, c'est de la vibration, c'est de l'énergie. Si cette musique, je suis capable de l'entendre et de la répéter, et ben au moment où je répète le plan, je crée une autre table. C'est ça le verbe créateur. Et on peut donc imaginer qu'au début des temps, il y a ces vibrations, cette langue qui naît, et qui a la possibilité de créer. Et c'est ce qu'on appelle, nous, en tout cas, la vieille langue. C'est-à-dire des mots qui sont pas seulement pour déclarer ou décrire un concept, mais pour créer quelque chose. Alors après, de cette langue, bah, elle se dégrade. C'est-à-dire qu'elle devient vulgaire. Elle devient pour parler de choses banales. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans toutes les religions, il y a deux langues. Il y a une langue sacrée et une langue profane. Oui, et on ne mélange pas les deux.
Et d'ailleurs, à tel point, c'est quand on a décidé de ne plus utiliser le latin pour la messe, qu'on croit ou qu'on ne croit pas, hein, c'est pas la question, ça marche plus. Écouter une messe en latin, même si vous comprenez rien, et écouter une messe en français, ça n'a rien à voir. Une est spirituelle, l'autre est matérielle. Alors pour les juifs, c'est pareil, hein. Je veux dire, les juifs traditionnalistes, ils ne parlent pas hébreu. Ils parlent yiddish. Parce que l'hébreu, ça sert que pour les dieux. Que pour les dieux, ouais. Et pas pour autre chose. Alors évidemment, quand on la ramène après dans le monde populaire, bah ça n'a plus de fonction, ça marche plus pareil. Alors nous, dans le monde populaire, il a bien fallu qu'on soit capable d'exprimer les choses. Donc pour exprimer les choses, eh bien, on a utilisé des mots qui ne créaient pas. Parce que sinon, on n'arriverait pas à s'en sortir. Si à chaque fois je parle d'un truc, j'en crée un autre, ça ne marcherait plus. Alors après, on a eu, ou plutôt avant, ou plutôt au même moment, quand on a commencé à poser l'écriture, parce qu'on a parlé longtemps avant d'écrire. Oui. On n'écrit que tardivement, on écrit il y a 7000 ans. Les Sumériens commencent à écrire. Mais avant, il n'y a pas d'écriture. En tout cas, pas d'écriture qu'on a comprise. Il y en a peut-être avant, hein, mais on ne les a pas comprises. Et ça commence comme ça. Eux, ils font ça pour l'agriculture. C'est-à-dire qu'ils cultivent du blé, ils cultivent un certain nombre de trucs, puis ils font des sacs. Et comment ils savent ce qu'il y a dans les sacs? Une fois que tout est en sac. Donc il faut bien mettre un signe dessus pour dire ça c'est du blé, ça c'est machin, c'est un truc. Bon, déjà, il y a un signe différent. Après, on va dire, oui, mais combien il y en a? Ah, bah là, dans l'entrepôt, il y a 3 sacs de blé. Donc, 3 sacs de blé. Ah, donc je commence à faire du concept. Oui, mais ça appartient à qui? Ah, bien, il y a 3 sacs de blé qui appartiennent à machin. Donc, vous voyez, petit à petit, on commence à être obligé d'écrire des choses, de mettre d'abord des choses très simples, et puis après, on va dire, ah oui, mais comment je vais dire à mon coursier d'aller mener ces 3 sacs de blé qui appartiennent à machin, à monsieur Bidule qui habite la 3e rue à gauche. Et vous voyez que petit à petit, et s'il n'est pas là, comment je fais? Comment je vais lui dire que je suis passé? Donc, il va bien falloir que petit à petit, on va construire des choses qui vont nous permettre d'échanger entre les hommes. Alors d'abord, c'est très formel, ça sert, puis après, ça devient des concepts intellectuels. Le mot va porter des choses qui ne sont pas concrètes. Alors, on peut dire qu'il y a une langue, que cette langue, peut-être, c'est la langue de la magie, c'est-à-dire la langue qui permet de créer des choses, et puis d'autres langues qui permettent de parler du créé, mais sans créer. Alors, ça ne veut pas dire que de temps en temps, même dans une langue vulgaire, il n'y a pas quelques mots qui prennent un autre sens. C'est-à-dire que ces mots, il faudrait les animer, il faudrait mettre de la magie dedans, il faudrait insuffler quelque chose à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'on va utiliser les tonalités, qu'on va utiliser les accents. Par exemple, quand je dis quelque chose, le mot est important, mais la tonalité est aussi importante. Vous savez, quand on dit que quelqu'un il est gentil, puis quand on dit que quelqu'un il est gentil, hein, c'est le même mot mais ça veut dire le contraire. Vous savez, vous pouvez dire quelqu'un, hein, alors lui il est gentil. Hein. Oui. J'ai dit exactement la même chose, hein, mais vous allez comprendre exactement le contraire. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de mots, mais il y a la tonalité. Alors on le voit bien avec les animaux, vous savez, il y a toujours des gens qui sont très fiers de dire à leur chien assis, couché, debout. Hein. Mais c'est assez rare que les chiens parlent homme finalement. Ils s'en foutent, ils ne sont pas faits comme ça, c'est pas leur concept. Par contre, le ton, ça va être vraiment important. Si vous dites assis, alors là, j'ai dit quelque chose. Mais si je lui fais grippin, il va s'asseoir pareil. Parce qu'en réalité, le mot, il s'en fout. Ce qui va l'intéresser, c'est l'intention, la tonalité qui est derrière. Vous voyez que les langues vont être construites d'un certain nombre de choses, d'une vibration fondamentale, et puis des concepts qu'on va mettre dessus. Et est-ce que c'est en adéquation ou pas? On ne sait pas. Mais pour moi, la langue peut être magique. Il peut y avoir le verbe, il peut y avoir une résonance, il peut y avoir des choses. On peut créer avec la langue. Je pense à Caruso qui chantait devant des vers et qui les faisait exploser. Vous voyez, on a des chanteurs comme ça, on voit un chanteur d'opéra, il chante puis le vers. Mais ça veut dire qu'il modifie la matière quand même. Donc ça veut dire s'il est capable, même s'il fait des ultrasons et que les ultrasons font casser la matière, en réalité ce qui passe c'est qu'il fait un son, comme le sable, avec la boîte de son, avec l'enceinte acoustique. Mais le vers n'est pas assez plastique pour prendre sa place. Donc comme il n'est pas assez plastique, il casse. Et si je continue à chanter dessus, la poudre de verre prendrait la forme de ma voix. Donc, la voix et le verbe peuvent créer. Un autre exemple, vous avez un forgeron, il est en train de faire une épée. Et vous remarquez quelque chose, la lame est rouge, hein, c'est pas encore une lame, il la met sur son enclume, et est-ce qu'il tape directement sur la lame? Non, il tape d'abord sur l'enclume. Et on va entendre un son. Ding!
Mais qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Le son va courir dans la lame, hein, forcément. Donc qu'est-ce qui va vraiment rectifier la lame? C'est le son, c'est pas de frapper dessus. D'accord, donc c'est pour ça qu'il frappe. Et c'est pour ça qu'il frappe et qu'on va voir cette musique qui va rentrer à l'intérieur de la lame et qui va lui donner... D'ailleurs, c'est pour ça qu'après, c'est une épée enchantée. Puisque bien sûr, on a chanté dessus, on a eu un son, une vibration. Alors, vous voyez, là, c'est du son, mais le son, il est fait avec un marteau et une enclume, mais on peut faire du son aussi avec notre bouche. Donc ouais, peut-être qu'il y a des sons qui sont capables de rectifier des épées, peut-être qu'il y a des sons qui sont capables, tu vois, de faire tomber la foudre, ainsi de suite. On a les anciens aussi, vous voyez encore dans le son, qui déplacent des pierres. Dans les tas de légendes, hein, on déplace des pierres, des menhirs, des dolmens, des... Alors, ils avaient des techniques, hein. Quand on a un dolmen, par exemple, ils mettaient les deux côtés, ils mettaient de la terre, puis après, ils poussaient l'autre dessus, puis ils retiraient la terre. Et on se dit, comment ils ont mis ça là-haut? Mais ils l'ont jamais mis là-haut. Ils l'ont poussé sur la terre, puis ils l'ont retiré après. Donc ça, c'est rien de magique. Mais des fois, on a des pierres qui sont énormes, et on se dit, mais comment ils ont même fait pour les déplacer? Ça pèse 80 tonnes, ça pèse 100 tonnes, même s'ils étaient beaucoup. Alors, bah, la réponse vient d'un instrument excessivement moderne qui est un téléphone portable. Vous avez votre téléphone portable, vous l'avez mis en vibreur, puis vous l'avez mis sur votre table de nuit, puis on vous appelle. Vous n'avez pas remarqué qu'il bouge? Oui, c'est... Personne ne le touche, hein? Ça veut dire que la vibration est capable de faire bouger la matière. Ça veut dire que si sur ma grosse pierre, moi, je suis capable de la faire vibrer à la bonne fréquence, quand j'ai une vibration, elle ne touche plus le sol. Si elle ne touche plus le sol, il n'y a plus de résistance, donc je peux la pousser avec une main. Et si c'était des gens qui chantaient autour? C'est une vibration. Donc peut-être qu'un certain chant va dire « Tiens, c'est magique !» En réalité, c'est juste physique. Un certain nombre de personnes chantent devant la pierre, elle se met à vibrer, elle ne touche plus le sol, et après, il suffit d'une main pour la pousser. Vous voyez la scène? Imaginez ça dans les bois, des druides qui sont en train de faire ça. Ils chantent sur une pierre, elle ne touche plus le sol, et il suffit de la pousser. Ah, c'est pas de la magie, ça? Et c'est de la magie du verbe. C'est de la magie du son. Et ça, c'est... Donc, c'est... Parce qu'on est... Je sais qu'on a étudié un peu les... On va dire les effets de l'acoustique, justement, sur les pierres. Et on est arrivé à la conclusion. J'ai vu qu'ils soignaient même des plantes avec de la musique. Donc, Oui, mais pourquoi pas? C'est de l'information. On peut dire qu'une maladie, c'est une résistance au passage de l'information. Donc, si je fais passer de l'information, je suis plus malade. Donc, on peut soigner des hommes aussi avec de la musique. Regardez comment la musique change notre comportement. Je vous mets ici une musique avec des boum, 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 boum. Ça va vous donner une énergie. Et cette énergie, il va vous falloir la disperser. Et pour la disperser, vous allez faire un mouvement à chaque fois que ça vous en a un boum. On appelle ça le rythme. Vous savez, c'est, j'ai une musique rythmée, puis sans y penser, j'ai mon pied qui fait ça. Ouais, tout à fait. Ouais. Et pourquoi? Pour faire ça, il faut de l'énergie. Et l'énergie, elle vient d'où? Elle vient du rythme. Donc si moi, ce rythme, il arrive, ça me donne de l'énergie. Cette énergie, je le transforme, soit thermique, soit dynamique. Ça chauffe ou ça bouge. Donc, on pourrait parfaitement imaginer aussi une musique qui, au lieu de faire de l'énergie, la retire. Donc moi, je suis très énervé, j'ai des inflammations, je suis tout rouge. Et je me mets une musique qui est apaisante. Ça veut dire, au contraire, qui ne me fait pas rentrer d'énergie. Bah, ça va me rendre mieux. Alors on le voit effectivement avec les plantes, maintenant c'est la mode où on met de la musique pour les plantes. Oui, on met de la musique classique. Mais on met de la musique aussi pour les vaches. Oui. C'est-à-dire même avant de les amener à l'abattoir, on les détend avant, en leur mettant de la musique. Mais ça veut dire qu'il y a bien une action de la vibration sur le corps. Et bien sûr que c'est une bonne idée. On peut tuer avec du son, alors pourquoi on ne pourrait pas guérir? On met par exemple des infrasons, c'est-à-dire des fréquences au-dessous de 4 Hz. Et si vous entendez ces fréquences, d'ailleurs vous ne les entendez pas, mais ça fait un espèce de grondement souterrain. Et plus les fréquences sont basses, plus elles sont pénétrantes. Plus les fréquences sont hautes, plus elles restent en surface. Donc ça veut dire que si j'ai un son très pénétrant qui rentre à l'intérieur de mes organes et qui les fait vibrer à 4 Hz, mes organes, ça ne va pas du tout. Hein. Ouais. C'est comme si je les prenais et que j'étais en train de les secouer. Ouais, ouais. Alors on a des cas comme ça, il y a des gens qui travaillent dans un entrepôt, ils sont tous malades et on ne sait pas pourquoi. Alors on cherche tout. On cherche les produits, on cherche est-ce qu'il y a de l'air, on cherche est-ce qu'il y a des solvants, et on ne trouve rien. Et on s'aperçoit finalement qu'il y a des grands ventilateurs, vous savez, dans les entrepôts, les murs, il y a des grands, et qui tournent très lentement. Et en tournant très lentement, ils font des infrasons. Et ça les a rendus malades. Donc il a suffi de couper les ventilateurs pour que tout le monde aille bien, ou les faire tourner suffisamment vite pour qu'ils ne fassent plus d'infrasons. Donc si le son est capable de tuer, si le son est capable de nous rendre malade, il est évidemment capable aussi de nous guérir. Il y a quelqu'un en Californie qui s'appelle Jeffrey Thompson,
et qui fait ce qu'on appelle les cartes, les tables neuroacoustiques. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un son, il le fait passer à travers vous, et puis nous, on a des résistances, le corps physique, il a des résistances plus ou moins grandes. Donc ça veut dire qu'il y a un son qui ressort. Il y a un son qui rentre, je fais résistance, et il y a un son qui ressort. Et le son qui ressort, il le prend, il l'amplifie, et il transforme en vibration. Et ces vibrations, il colle ça sous une table, et vous êtes couché sur la table. Donc finalement, il vous fait vibrer à la fréquence du son qui ressort. Et bien ça vous guérit. Donc il y a déjà des techniques aujourd'hui qui peuvent s'inspirer de guérir avec le son. Mais on pourrait faire encore plus fort que ça, parce que nous aussi on peut faire des sons avec notre bouche. Alors il y a peut-être des mots qui guérissent. Ouais, ou des mots qui tuent. Regardez dans les arts martiaux, le ki. On fait monter quelque chose, on fait monter une énergie au niveau du cœur, puis on prononce un cri. Et ce cri, il a une vraie action. Hein. C'est-à-dire qu'il y en a qui sautent en l'air. Hein. Il y en a qui meurent avec ça. Donc ça veut dire que c'est comme un impact. Mais si c'est vrai dans ce sens-là, ça peut être vrai dans l'autre. Donc on peut avoir des mots qui guérissent. Ça voudrait dire que si on utilisait alors peut-être certains mots, etc., on pourrait avoir une meilleure ambiance générale presque alors. C'est quoi, c'est... Sans aucun doute, bien sûr, il suffit juste de le faire. On dit que la musique adoucit les mœurs. Oui, la musique adoucit les mœurs. Mais il y a aussi de la musique militaire. Oui. C'est, la musique militaire nous fait marcher au pas, nous amène au combat. Donc il faudrait trouver la bonne musique et la mettre. Alors après, c'est pas les outils qui manquent, hein, c'est la volonté de le faire. Et on l'a vu d'ailleurs avec les événements tragiques qui sont passés il y a quelques temps, mais surtout ce qui s'est passé après, c'est-à-dire que la capacité des gens d'être sur la même fréquence, c'est-à-dire qu'on s'est tous réunis après pour... Ce qui est dommage, c'est qu'on s'est réunis contre et pas avec. Et que là, en gros, l'idée, et ce qu'il faudrait pas faire, c'est qu'on se retourne tous contre l'ennemi, mais au contraire qu'on se rassemble nous pour construire. Mais ça, c'est autre chose. Alors évidemment, ça peut être plein de choses. Ça peut être la musique, mais ça peut être aussi une ambiance, ça peut être des couleurs, ça peut être des formes. On pourrait bâtir des villes dans lesquelles on est heureux, plutôt que des hôpitaux dans lesquels on est bien, avec de la bonne musique et de la bonne couleur. Je veux dire, c'est pas les outils qui manquent, c'est la volonté de les mettre en place. Alors évidemment, ça sert peut-être quelque chose. Hein. Talleyrand, il disait, un mécontent, c'est un pauvre qui réfléchit. Ça veut dire que si on n'a pas envie que les gens réfléchissent, si on n'a pas envie qu'ils soient détendus, parce que c'est mieux de gouverner quand les gens ont peur, alors on va pas du tout être là-dedans. Hein. On va au contraire, je vais vous donner des trucs qui vous stressent. Je vais regarder par exemple, vous rentrez dans les boutiques, vous avez entendu des musiques qu'il y a dans les boutiques, c'est pas détendant du tout. Hein. Et maintenant il y a une mode, c'est dans les restaurants, c'est pareil. C'est-à-dire, est-ce vraiment nécessaire de mettre de la musique quand on mange? Ouais, non. On peut se poser la question. Surtout, il y a des endroits où c'est de la musique, soit de la musique de supermarché, soit de la musique énervante. Hein. C'est-à-dire que non seulement vous êtes en train de manger, mais la musique, vous pensez que c'est bon pour votre digestion, ça? Alors, il y a des musiques, par contre, qui sont merveilleuses, qui nous mettent parfaitement en bon état. On pourrait le faire. Donc, oui, c'est possible. Oui, ça marche. Après, bah, il faut une volonté de le faire. Alors, ça ne veut pas dire que ceux qui ne le font pas savent pas que ça marche. Mais peut-être qu'ils ont d'autres desseins. Et à partir de ce moment-là, on peut utiliser ça à revers. Hein. On peut le mettre dans l'autre sens en disant, à ce moment-là, c'est de la manipulation. Comment on va vous manipuler pour que vous achetiez des produits? Vous entendez la musique dans les supermarchés? Oui, tout à fait. Ouais. Partout, vous croyez que c'est au hasard? Vous croyez que la musique est faite au hasard? Absolument pas. On va créer des musiques qu'on va mettre à certains moments pour forcer l'achat. Bon, ça veut dire que c'est complètement possible. Vous avez vu les publicités? Ouais. Alors, vous êtes bien placé pour, étant dans l'image, savoir comment ça marche. Non seulement on a des musiques particulières, mais les plans, la manière dont c'est fait. Vous avez vu combien il y a de plans dans une publicité? Aucun film ne pourrait être fait comme ça. Je veux dire, jamais de notre vie on pourrait suivre un film comme ça. Alors que là, il y a un plan qui change toutes les secondes. Vous avez une pub de 30 secondes, vous avez 30 plans différents. Mais c'est ingérable, ça. Mais pourtant, quand vous êtes ventousé à ça, vous ne pouvez pas vous partir. Il y a trop d'informations. Donc vous ne pouvez pas vous en détacher. Donc, le but de la publicité est réussi, vous ne pouvez pas vous en sortir. Alors si je cale ça dans un truc d'ensemble, par exemple, je sais pas, moi, je fais une campagne de protection routière où je monte des accidents, puis juste après, je fais une pub pour des grosses voitures. Alors évidemment, je vais acheter des grosses voitures parce que c'est sécuritaire. Par... Mais la musique est là aussi, parce que vous avez remarqué, quand vous claquez la porte d'une voiture, si ça fait « cling » ou si ça fait « clong », oui, ben, pour vous, ouais, c'est pas la même voiture. Hein. Non. Si
C'est long, c'est plus qualité. C'est de la qualité. Ouais, c'est vrai. Et ben non, parce que c'est étudié en acoustique. C'est ce que je me suis dit, parce que quand on voit des modèles de voitures, on va dire, un peu plus luxueux, les modèles plus chers, quand on ferme la porte, et ben il y a une qualité de l'acoustique, là, ça fait clonk. C'est fait. Ça fait jamais cling, comme dans une voiture justement moins chère, on ferme la porte, ça claque la porte. Exactement. On voit qu'ils sont. Exactement. Ce qui veut donc dire que le son, c'est quasiment de la magie, quoi. Ouais. C'est-à-dire que le son va faire que vous dites, ouais, c'est une bonne voiture, je l'ai achetée. Mais ça va plus loin, il y a le spray neuf aussi. C'est, vous savez, quand une voiture neuve, ça sent quelque chose. Hein. Oui, oui, ça sent. Ça ne dure pas. Ouais. Mais on dit, ah tiens, cette voiture est neuve, donc elle est bien. Bah, ça n'existe pas, en vrai, c'est un spray. C'est le spray voiture neuve. Donc ça veut dire que vous pouvez acheter une voiture d'occasion qui est refaite, avec la porte qui fait clong, et mettre du spray neuf dedans, bah, vous allez l'acheter, même si c'est une voiture d'occasion. Alors, évidemment, tous ces outils-là, ils peuvent être utilisés pour le bien ou pour le mal, c'est-à-dire pour nous faire avancer ou pour nous manipuler. Alors évidemment, ceux qui ont les plus gros moyens aujourd'hui, c'est les publicitaires, donc évidemment, c'est eux qui utilisent toutes ces techniques. Oui, oui. Alors les publicitaires, les politiques font la même chose. Enfin, je veux dire, tous ceux qui ont quelque chose à vendre, finalement, si on a les moyens de le faire, eh ben, on va utiliser ces outils. Et c'est pour ça que, est-ce que c'est pour ça que dans l'alchimie, on conserve un peu les secrets, justement, on y va avec parcimonie dans la transmission, parce qu'on a peur de, peut-être, de délivrer un peu de grands secrets, et puis que ce soit... à utiliser à mauvais escient. Alors il y a deux choses, effectivement. On ne met pas un fusil chargé dans les mains d'un enfant de 2 ans. Ouais. Donc, bah oui, il y a un discernement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, c'est qu'il y a... les choses ont de la valeur, en tout cas, on les inscrit que si on les découvre soi-même. Si on vous donne tout, finalement, c'est-à-dire que je sors du tiroir aussi une pierre philosophale, je vous la montre, je vous dis, voilà une pierre philosophale. Vous allez la regarder, vous allez faire, ah ouais, c'est que ça. Parce que ça sera que ça, ça sera un bout de quelque chose, mais pour vous, ça n'aura aucune valeur. Par contre, si vous avez mis 20 ans pour le faire, bah évidemment, quand vous l'aurez, pour vous, ça va avoir une vraie valeur. Et puis en plus, il y a autre chose, c'est que le fait de découvrir, de travailler, de faire des choses vous-même, font que ça vous transforme. Alors que si on vous le donne, ça ne vous transforme en rien du tout. Donc il va y avoir cette notion de voie initiatique, l'alchimie ou d'autres, mais l'alchimie aussi, où c'est une voie de transformation de l'homme. C'est pas seulement une voie de transformation de la matière. Et on peut dire même que la matière est secondaire, on peut dire que le creuset, que le labor est secondaire. Contrairement à ce que certains croient, en disant qu'il n'y a que la matière qui compte et l'esprit n'existe pas, moi je pense que c'est absolument le contraire. C'est-à-dire qu'il n'y a que l'esprit qui compte et que la matière n'est qu'un relais de cet esprit-là. Donc à partir de ce moment-là, il y a une tradition, il y a une transmission, il y a aussi ce sentiment d'appartenance à l'histoire, quand on va faire de l'alchimie, et puis le fait, la nécessité de l'engagement. C'est-à-dire que celui qui se met sur une voie, il doit s'engager sur cette voie. C'est-à-dire que c'est pas une passade, c'est pas de la peinture sur soie et du macramé. C'est quelque chose d'important. Et pour que ce soit important, eh bien, il va falloir que je suive un chemin dedans et que je le suive tout seul. Les voies initiatiques sont des voies solitaires. Même si on ne fait qu'associer temporairement des destins individuels. Bien sûr, on peut avoir un maître, on peut en discuter ici. Mais le chemin, une fois qu'on aura compris ça, on part et on travaille tout seul. Ça, c'est la première chose. Donc c'est pour ça qu'on ne va pas dévoiler les secrets, entre guillemets, parce qu'on doit les percer soi-même. Et j'utilise bien ce mot à bon escient. Un secret, on ne le trouve pas, on le perce. Donc percer un secret, c'est bien faire un trou dedans. Persévérer, percer et vous verrez. Hein. Donc il y a quelque chose à percer pour voir ce qu'il y a derrière. Alors il n'empêche, et c'est ce que je fais, j'en parle quand même. Mais je parle pas des secrets. Je parle de l'ambiance, je parle de l'atmosphère, je donne quelques clés autour. Parce qu'on peut suivre une voie que si on sait qu'elle existe. Je veux dire, aujourd'hui, sans vanité, je pense avoir rendu les lettres de noblesse à l'alchimie. Avant, c'était ou des gens qui étaient complètement secrets dans leur coin, ou des gens, le terme était galvaudé. L'alchimie, c'est Harry Potter, c'est... Oui, oui, Merlin, c'est vu un peu comme de la sorcellerie. Voilà, c'est un truc bizarre, ils ont des grandes barbes, des chapeaux pointus, ils sont au fond d'un laboratoire et ils essayent de faire de l'or. Donc là, c'est de dire non, c'est pas du tout ça, c'est une vraie voie initiatique de transmutation, d'abord de transformation, ensuite de transmutation de l'homme. Et finalement, c'est une voie qui nous conduit à la bienfaisance, à l'altruisme, au don de soi, au travail vers les autres. Contrairement à ce que certains alchimistes font en disant « ça conduit qu'à soi, on s'enferme à l'intérieur de nous », non. Ça doit être, non, en tout cas pour moi, ça doit être quelque chose qui s'ouvre vers les autres.
Et pour s'ouvrir vers les autres, il faut un minimum de communication. D'ailleurs, de tout temps, il y a eu des livres d'alchimie. Il y a des gens qui ont écrit sur l'alchimie. Et aujourd'hui encore, quand on dit, ça m'est arrivé de discuter avec des universitaires sur l'alchimie en disant, mais l'alchimie est partout, et les gens me disent, mais non, il n'y a pas de trace, pourquoi? Parce qu'on imagine que l'alchimie, justement, c'est un truc secret. Non, dans la musique, il y en a partout. Dans la peinture, il y en a partout. Dans tous les arts, il y en a. De tout temps, il y a des gens qui s'intéressaient à l'alchimie, qui ont mis ces secrets dans l'art. Quand vous avez Couperin qui fait un morceau de musique, et que ce morceau de musique, il l'appelle les barricades mystérieuses, c'est pas un nom évident pour un morceau de musique. Quand on... non. Quand on a Beethoven qui fait 9 symphonies, pourquoi il en fait 9? C'est un bon chiffre. Et que la 7e est extraordinaire, la 7e est particulière. Mozart, quand il écrit, il met aussi des choses incroyables dedans. Donc tous ces gens qui font de la musique, ils ont un vrai message à mettre à l'intérieur. Et comme on a vu tout à l'heure que le verbe était quelque chose d'important, que la vibration était importante, donc la musique aussi, mais la peinture aussi. Rembrandt, quand il fait le philosophe sous l'escalier... De quoi il parle? Quand on voit, il a une apparition à un moment avec le Inri marqué au milieu et avec des lettres mystérieuses autour, de quoi il parle? Quand Nicolas Poussin parle... Alors, les fameux des bergers d'Arcadie avec la fameuse porte. Voilà. De quoi il parle? Ouais. Je veux dire, pourquoi il met dans... Dali, il fait un livre, l'alchimie et les alchimistes. Il ne peut pas faire plus précis. Donc évidemment que c'est un des grands mythes fondateurs de l'humanité et que on l'a mis partout. Alors là on parle de culture judéo-chrétienne, mais je veux dire, les Chinois, ils en ont mis partout. Que ça soit dans la fonte des bronzes, la manière dont ils travaillent, la fabrication des épées, la fabrication des sabres, les peintures, les Japonais qui ont fait, leurs propres couleurs. Quand on a des peintres japonais qui font des aquarelles en prenant les larmes des gens, en disant qu'on va utiliser ça comme liquide, c'est pas banal. C'est-à-dire que dans les larmes, il y a du sel. Le sel conduit le feu. C'est pour ça que quand on pleure, les larmes sont salées. Pourquoi quand vous avez une émotion, vous pleurez, ça n'a rien? Sauf que l'émotion, c'est de l'énergie, et que le sel fixe le feu. Donc ça veut dire que si j'évacue du sel, j'évacue cette énergie. Donc c'est pour ça que je pleure. Mais si moi, je récupère ces larmes et que je les utilise pour faire de la peinture, vous vous rendez compte ce qu'il y a dans la peinture? Donc ça veut dire que... Même si on n'a pas tout dévoilé, eh bien, heureusement qu'on n'est pas tout dévoilé, il est normal de savoir que ces voies existent. Et je trouve anormal qu'on dise « Non, ça doit être des secrets. » Non, la voie, je parle. Je ne parle pas de comment arriver au bout. Mais je parle de parler de cette voie. Au contraire, on parle bien de la musique. Est-ce que apprendre le piano, c'est secret? Est-ce que apprendre la peinture, c'est secret? Non, il y a des tas de voies dont on parle. On parle du soufisme, on parle de la chevalerie, on parle de des tas de choses comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on est dedans, ça ne veut pas dire qu'on connaît tous les secrets, mais au moins on sait que ça existe. Donc je pense qu'il y a deux tons. Le premier, c'est de faire ressentir, c'est de regarder, c'est une belle voie, elle peut vous éveiller, elle peut vous rendre heureux, et maintenant que vous êtes touché par cette voie, on passe à autre chose, on passe au secret. C'est-à-dire, je vous donnerai la voie comme je l'ai reçue. Il y a des choses à faire, je vous donne la première chose à faire, vous y arrivez, on se revoit, vous y arrivez pas, on se revoit jamais. Et là, on rentre vraiment dans le secret, et on rentre vraiment dans ce qui doit être fait. Mais je pense qu'avant, il faut appréhender l'univers. Avant d'aimer ce monde, il faut le connaître. Et si on ne vous en parle pas, si personne ne vous le fait voir, si personne ne vous le fait ressentir, vous ne l'aimerez pas. D'ailleurs, c'est ce qui se passe. On voit tous les mômes qui cassent tout. Mais pourquoi ils cassent tout? Parce que c'est pas leur monde. Ça serait à eux, ils ne casseraient pas. Mais pourquoi c'est pas leur monde? Parce qu'on les a exclus de ce monde, parce qu'on leur a pas expliqué ce monde. Moi je me souviens avec mes enfants quand ils étaient petits, évidemment, moi je les amenais dans les bois pour aller chercher les trolls, les fées, Donc imaginez, hein, il y avait déjà des consoles de jeux pourtant. Hein. Et donc je les amenais au début des voyages, au début des vacances, j'avais les deux miens. Et puis après, à la fin des vacances, j'avais 15 mômes derrière. Ils en parlaient entre eux. Ils en parlaient avec eux. Et puis, c'est bien de jouer aux jeux vidéo, mais aller chasser les trolls en forêt, c'est un peu mieux quand même. Hein. Bon, et, les liens, c'est... aujourd'hui, ils ont 28 et 30 ans, ils en parlent encore. Ouais. C'est-à-dire que. Et ils aiment ça. C'est-à-dire que, qu'il y ait eu des trolls ou qu'il n'y ait pas de trolls, la question n'est pas là. Mais n'empêche, maintenant, quand ils vont dans une forêt, ils regardent et ils respectent. Ils vont rien casser. Parce que je leur ai appris quand j'étais petit, ici, c'est le territoire d'autres choses. Et si vous cassez et tout, vous allez être... Soit ça ne va pas leur plaire, soit vous ne pourrez pas voir tous ces secrets. Et ben, ils ont eu envie.
Mais c'est pas une secte, c'est pas une obligation d'eux. C'est le sentiment que « Ah, je comprends ce monde ». Regardez à tel point. Nous, aller tout seul la nuit dans une forêt, on a la trouille. Hein. Mais des gens qui vivent dans la forêt, c'est aller en ville qui leur fait peur. Donc finalement, c'est pas le lieu. Combien de personnes, dis-je, moi je vois plein de gens qui vivent dans les bois, combien de personnes me disent « Mais comment tu fais pour vivre à Paris ?» Moi, quand je monte une fois de temps en temps, quand je rentre, il me faut 3 semaines pour m'en remettre. Et moi, quand je suis à Paris, qui est pour moi mon milieu, quand je vais au fin fond des bois, je veux dire, je suis content de retrouver la civilisation. Ouais, ouais. Donc, c'est pas le milieu qui est important, c'est la connaissance du milieu. Et je pense que tout commence par l'éducation. C'est-à-dire qu'on devrait expliquer aux enfants, aujourd'hui, vous voulez qu'on aime le monde ? Bah, arrêtons de nous montrer des tas de trucs qui sont horribles. C'est-à-dire que, comment voulez-vous qu'on aime le monde avec tout ce qu'on nous montre ? On nous montre que des trucs affreux dans ce monde. Moi, j'ai pas envie de rester dans le monde que les informations m'indiquent, hein. C'est sûr que si les mômes, ils ne voient que ça, alors ils voient ça, ils voient les films où les gens s'entretuent, et puis quand ils se détendent, ils font des jeux vidéo, ils s'entretuent. Donc, comment voulez-vous qu'ensuite, quand ils arrivent dans la vraie vie, ils ne fassent pas la même chose ? Donc, l'idée, c'est de leur dire, attendez, attendez, je vais vous montrer que le monde, il est extraordinaire. Mais je ne vais pas vous le dire, c'est pas à l'école, parce que sinon, ça va les embêter, ça ne les intéresse pas. Mais je vais vous amener sur le lieu, je vais vous raconter des histoires, et puis là, il va se passer des choses. Raconter les étoiles, montrer les étoiles, expliquer ce que c'est, les constellations, pourquoi, mais pas de l'astronomie. Dire qu'il y a eu des combats avec des dieux, qu'il s'est passé des choses. Tous les personnages qu'il y a dans les forêts, tous les arbres qui parlent, vous vous mettez au pied d'un arbre, on dit, va parler à l'arbre. Comment ça, on va parler ? Mets ta main, sens la vibration. Ah ouais, je sens quelque chose. Imaginez la tête des enfants. Parce qu'ils rentrent à 200% dedans, bien plus que nous, hein. Puis une fois qu'ils sont là, c'est les premiers à dire, allons-y, hein. Donc c'est vraiment cette idée, et c'est aussi pour ça que je communique l'alchimie, c'est pour toucher. Et c'est pour toucher, je vais dire, les jeunes aussi. Je me souviens d'une émission que j'avais fait avec Bob, vous dit toute la vérité. Ouais, bien sûr, vous savez, sur... C'est pas tellement mon milieu, c'est-à-dire que c'est pas tellement à ces gens-là dont je vais parler d'alchimie. Vous rendez compte, je vais au milieu des cités, je passe au milieu, puis je vais vous parler d'alchimie, je prends un coup de fusil. Alors ils vont me dire, ouais, t'es gentil, quoi. Mais c'est pas comme ça que je les ai pris. J'ai utilisé les outils de l'alchimie pour aller les chercher où ils sont. Et là, évidemment, j'ai utilisé les prénoms dans la langue des oiseaux, et j'ai fait 2-3 prénoms, ben, ils étaient sciés, quoi, parce qu'on parle d'eux, déjà ça leur fait plaisir, on raconte des histoires, on leur donne un but. Parce qu'il y a peut-être un problème aussi avec les jeunes aujourd'hui, c'est quel but ils ont. Toujours dans le même monde, moi j'ai pas envie d'avoir un but dans ce monde-là. Donc en leur disant, écoutez, je vais vous donner un but, et puis maintenant ce but, vous allez travailler ensemble, et vous allez être valorisant. On va dire, waouh, c'est bien ce que tu as fait. Vous imaginez ? Bah, les gens, ils rentrent dans le monde. Donc il y a un vrai travail dans la transmission, qui est un vrai travail d'éducation, mais de liberté aussi. En disant, genre, vous êtes libre de faire des choses. Vous êtes capable de faire des choses, vous êtes capable de recevoir, vous êtes capable de transmettre des choses. Et tout ça, c'est votre culture. C'est quand même anormal, pour le moins, qu'il y ait des jeunes français qui trouvent normal d'aller faire la guerre en Syrie. Je veux dire, c'est quoi leur valeur ? Ça veut dire qu'ils se reconnaissent plus dans ces valeurs-là que dans des valeurs à l'endroit où ils sont. La faute à qui ? Je veux dire, si nous, on avait arrêté de leur dire « vous n'êtes pas chez vous », ben un jour, ils ont fini par dire « bah ouais, on n'est pas chez nous, hein. ». Puis si on n'est pas chez nous, ben c'est normal qu'on aille ailleurs. Hein. Et puis comme ici, on n'est pas chez nous, ben on va vous foutre sur la figure à vous, puisque de toute façon, on n'est pas chez nous. Alors que si on dit « non, 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 vous êtes chez vous », ben qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ben ils vont protéger le lieu, ils vont avoir envie de vivre dans ce lieu. Mais pour ça, on a ce devoir d'éducation. Et ça marche, hein, ce devoir d'éducation. Mais encore une fois, il faut avoir la volonté de le faire. Quand on voit dans les cités où on fait un truc d'éducation et qu'il y a zéro budget dessus et qu'ils se débrouillent avec des morceaux de scotch et des bouts de ficelle et que le type en dealant il gagne 43 fois ce qu'il gagnerait s'il travaillait, bah que croyez-vous qu'il fasse ? J'ai pas dit que c'est bien, j'ai pas dit qu'il faut le faire, mais je veux dire, c'est logique. Le môme qui voit ça, on lui dit va à l'école, tu vas travailler et quand il sort de l'école, il est au chômage. Et qui voit son frère qui fout rien, mais qui a une grosse BM et qui n'est jamais allé à l'école. Que croyez-vous qu'il fasse ? Donc l'exemple qu'on doit lui donner, c'est pas celui-là. L'exemple qu'on doit vraiment donner, c'est on va vous raconter des histoires, on va vous soucher à la culture. On va vous soucher. Et c'est là où les voies, où les traditions sont importantes. Parce que n'importe qui peut s'accrocher à cette tradition. Il suffit juste de trouver la bonne. Et à travers cette tradition, vous savez, avant qu'on s'entretue pour des raisons politiques, les chrétiens, les juifs, les arabes, les blancs, les noirs, les verts, tous ceux qui travaillaient ensemble, il n'y avait aucun problème. Oui.
Parce qu'ils avaient quelque chose de commun qui était la tradition. Mais du jour où il n'y a plus de tradition, bah maintenant, la chose en commun qu'on va voir, ça va être la politique, ça va être les fanatiques, ça va être... On donne des raisons de faire des choses aux gens. Alors que la tradition, quand on l'explique, elle est belle. Hein, et elle est surtout fédératrice. Elle est rassemblante. Je vais dire, il n'y a pas une alchimie, il y a une alchimie, les kabbalistes font de l'alchimie, une alchimie arabe est excessivement puissante, l'alchimie chinoise, l'alchimie occidentale, et les gens ont travaillé tous ensemble, les hommes, les femmes, les blancs, les noirs, les... on a toujours travaillé ensemble. Et c'est pour ça aussi que j'ai aimé cette voie, parce qu'elle s'affranchit de toutes les différences. La seule sanction, c'est le travail. Et on peut tous dire, c'est-à-dire quand on va avoir un élève, je sais pas, qui est noir et qu'on va lui dire t'es con, il va dire tu dis ça parce que t'es raciste. Parce que je suis noir, je lui dis non, parce que t'es con. Et on peut se le dire. Il porte pas plainte, en plus. Non, pas mais ce que je veux dire, c'est que pouvoir tous dire aussi, sans méchanceté, hein, sans qu'il y ait des faux fuyants, c'est aussi important. Parce que sinon, on va créer des vraies différences. Et ça ne veut pas dire que les rancœurs ne restent pas. Puisque justement, on ne peut pas se le dire. Mais on doit pouvoir se le dire avec bienfaisance, quoi. En disant, aider quelqu'un, lui dire qu'il n'est pas dans les clous, ça peut être aussi une manière de l'aider. Alors pour ça, il faut être juste. C'est-à-dire, celui qui va avoir ce message, il n'y a aucun intérêt. Parce que sinon, il va traîner l'autre sur ses propres intérêts. Et c'est là, encore une fois, où la tradition, où la voix est importante, parce qu'elle transcende, elle est au-delà de nos intérêts personnels. Donc quand on va dire à quelqu'un, t'es pas dans les clous, ça veut dire que t'es pas dans la voie. Et non pas, tu fais pas ce que je te dis. Ça n'a rien à voir. Autant moi, je respecterais, j'aurais beaucoup plus de mal à respecter quelqu'un qui va me dire, fais ce que je te dis, et je vais lui demander pourquoi, il va dire parce que c'est moi. Que s'il me dit t'es pas dans les clous, et je vais dire pourquoi, il dit parce que c'est pas dans la voie, ah, là, ça sera plus facile pour moi. Alors, faut que ça soit vrai aussi. On a tellement de prophètes qui mettent leurs mots dans la bouche des prophètes. C'est-à-dire qu'ils servent leur propre intérêt en disant c'est le prophète qui a dit ça. En réalité, il a rien dit, mais c'est moi qui le dis parce que ça m'intéresse. Et ça veut dire quoi, cette tradition qu'on pourrait appeler les traditions primordiales? Elle a été comme ça, donc transmise par. Au début, on pourrait parler de chamans, peut-être c'était quoi des... Non. Les chamans, c'est les sorciers des steppes. Donc, à l'endroit où il n'y a pas de steppes, il n'y a pas de chamans. D'accord. Donc, en Europe, par exemple, les druides, ce pas des chamans, on peut pas. Non, c'est des druides. C'est des druides. Bah, sinon, on appellerait ça des chamans. Je veux dire, un druide, c'est une fonction sacerdotale, c'est-à-dire, c'est des prêtres. Il y a une religion, la religion druidique. Ça veut dire que. Oui, bien sûr que c'est une religion. On invoque des dieux. Et ça veut dire qu'il y a des abats, il y a des bardes, il y a des druides, ça veut dire qu'il y a des grades à l'intérieur, il y a des initiations à l'intérieur. On ne se réveille pas le matin en disant je suis un druide. Il y a une filiation, il y a une transmission, il y a une tradition. On ne peut être nommé druide que par d'autres druides. Ça ne se fait pas comme ça. Hein. Alors aujourd'hui, il y a tellement de druides autoproclamés, mais comme dans des tas d'autres trucs, hein, on lit trois bouquins, on se réveille le matin, on dit ça y est, je suis un grand druide, je m'habille en blanc, puis je prends des trucs de couronne de fleurs d'oranger. Mais c'est pas ça. Le druidisme, c'est une manière aussi de servir, d'avoir un dialogue avec les dieux. Alors, il faudrait, pour ça que je vous explique d'abord la différence entre la tradition et la transmission, et la source. Parce qu'on parlait de tradition primordiale. Il n'y a pas de tradition primordiale. Il y en a sans doute eu une première, mais il y a surtout la source. Imaginons qu'on vive dans une bulle, l'intérieur est la matière, et à l'extérieur, c'est la lumière. On va dire ça comme ça. Pour expliquer la création, c'est ce que je disais tout à l'heure, un éternel moment présent. Pour une raison qu'on ignore, une vibration naît dans ce moment présent. Ça crée une singularité, c'est-à-dire une différence. Maintenant qu'il y a une différence, il y a deux choses. Ce qui est dehors et ce qui est dedans. Avant, ça s'appelait l'unité. Maintenant, ce qui est dehors, ça s'appelle la lumière. Et ce qui est dedans, ça s'appelle la matière. Et le but du jeu, c'est très simple. C'est de faire des trous dans la bulle de matière pour que la lumière qui est dehors rentre dedans, que la bulle disparaisse et qu'on retrouve l'unité. Voilà. Ça, c'est la finalité de toutes les voies. Maintenant, la question, c'est comment on va faire? Alors, il y a un type qui est à l'intérieur de la bulle de matière et il se dit... Tiens, je vais avancer, je vais marcher. Et s'il marche tout droit, il arrive forcément à la peau de la bulle. Et là, une fois qu'il est arrivé à la peau de la bulle, il fait un trou. Et dès qu'il fait un trou, il voit la lumière qui est dehors. C'est le premier de lignée, c'est le premier initié, il a été initié par son propre travail, personne ne l'a guidé nulle part. Il est peut-être tombé dessus par hasard,
C'est-à-dire qu'il gardait ses chèvres, et puis il était tellement bien à garder ses chèvres que tout d'un coup, ben, il a vu la lumière. Alors maintenant que la porte est ouverte, cette lumière, elle éclaire un chemin. C'est-à-dire, elle éclaire des cailloux. Ben, ces cailloux qui sont éclairés, on appelle ça la tradition. La tradition, c'est jamais que le chemin qui conduit jusqu'à la source. Et on peut dire qu'à chaque fois qu'il y a un trou dans la peau de la bulle, il y a une nouvelle tradition qui naît. Mais sur ce chemin, il y a des cailloux. Et moi, ces cailloux, je les prends au hasard, finalement. Et c'est comme ça qu'on construit une tradition. La tradition de l'alchimie, par exemple, ou une autre, on a choisi de prendre certains cailloux, mais j'aurais pu en prendre d'autres. L'important, c'est qu'ils conduisent bien à la source. Donc, vous voyez, pour le moment, j'ai deux choses. J'ai celui qui a ouvert la porte, c'est la source. J'ai le chemin éclairé par la lumière, c'est la tradition. Et maintenant, j'ai envie d'amener des gens vers cette lumière. Donc je vais aller les chercher, puis je vais les amener sur le chemin. Ça, c'est la transmission. Donc pour le moment, je suis tout seul, je fais tout. Je suis l'homme orchestre. J'ouvre la porte, je repère le chemin, puis j'amène les gens dessus. Puis je prends un disciple. Alors lui, le disciple, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui expliquer le chemin. Donc je vais lui transmettre la tradition. Et moi, mon seul travail maintenant, ça sera de maintenir la porte ouverte. C'est-à-dire de rester à la source. C'est beaucoup plus facile. Donc on est deux maintenant. Il y en a un qui maintient la source, et il y en a un qui maintient la tradition. Mais il fait encore l'autre chose. C'est-à-dire que un chemin, c'est bien si on va dessus. Donc en même temps, il va chercher des gens, puis il les amène. Donc ça veut dire qu'il fait aussi la transmission. Et puis un jour, lui, il a un disciple. Et au disciple, qu'est-ce qu'il va lui expliquer? Comment transmettre? Donc, vous voyez, maintenant, on est trois. Il y en a un qui tient la porte, c'est la source. Il y en a un qui maintient le chemin, c'est la tradition. Et puis il y en a un qui amène les gens sur le chemin, c'est la transmission. Donc, on est trois à faire ça. Alors on pourrait être plus. Un certain nombre maintiennent la porte, un certain nombre maintiennent le chemin, et un certain nombre transmettent. Alors évidemment, ce qui va se passer, c'est que bah, celui qui est à la porte, là, il reste un membre. Mais s'il y en a un nouveau qui arrive et qui est capable de transmettre, alors celui qui transmet s'occupe de la tradition. Celui qui s'occupe de la tradition va à la source, et celui qui était à la source passe de l'autre côté. On a cette espèce de l'un chasse l'autre, un peu, comme ça. Alors évidemment, ce qui peut se passer avec le temps, c'est que ben, il n'y a plus personne qui transmet. Alors s'il n'y a plus personne qui transmet, la tradition existe, et la source aussi. Mais à force qu'il n'y ait plus personne qui transmet, on finit par oublier le chemin aussi. Donc la tradition disparaît. Et quand il n'y a plus ni de transmission ni de tradition, il n'y en reste plus qu'un qui maintient la porte. S'il ne voit personne venir, au bout d'un moment, il va passer de l'autre côté, la porte se ferme et cette tradition n'existe plus. Et c'est comme ça qu'il y a des traditions qui disparaissent. Super, super. Mais il y en a d'autres. Alors des fois, on peut rattraper le coup à temps. C'est-à-dire que la tradition existe, le chemin existe, la source existe toujours, il n'y a plus personne qui transmet. Puis il y a un type par hasard qui tombe sur le chemin. Ah, il va explorer le chemin, il va dire c'est génial, ça conduit quelque part, et il va retransmettre à son tour. Et là, cette tradition va renaître. Alors le plus grand risque, c'est qu'il n'y a pas de source, et le type il se lève le matin et il invente un chemin, mais ce chemin il conduit nulle part, puisqu'il n'y a pas de source. Alors ça c'est le gourou, c'est-à-dire qu'en gros il va inviter des gens sur un chemin, mais qui conduit nulle part. Et la seule satisfaction des gens, c'est de servir celui qui est sur le chemin. Et c'est la différence entre le maître et le gourou, mais on dit d'ailleurs, le maître parle de la voie, puisqu'il décrit le chemin, alors que le gourou parle de lui, parce qu'il n'y a pas de source. Pas mal. Et alors, on va changer un petit peu de sujet pour montrer alors cette matière. Donc c'est du métal brut, c'est ça? Ça, 100% métal. 100% métal. Il n'y a rien d'autre. Et comment on obtient ça? C'est une bonne question, je vous remercie de m'avoir répondu. selon la formule qu'on s'appelait, alors c'est de l'alchimie pure. C'est-à-dire que ça fait partie vraiment d'un des travaux qui sont vraiment intéressants. C'est que pour que la lumière descende dans un corps, il faut trois conditions. Alors quand je parle de lumière, on sait ce que c'est maintenant, c'est ce qui est à l'extérieur de la bulle. Donc pour que la lumière descende à l'intérieur, même d'un corps humain, trois conditions, il faut être immobile, silencieux et aligné. Immobile, pourquoi? Parce que si je prends de la matière et qu'elle est agitée, si je veux faire passer de l'information dedans, bah, ça ne va pas marcher. Imagine une foule. Moi, j'ai quelqu'un à parler, j'ai une information à donner à quelqu'un qui est à l'autre bout de la foule, et tout le monde bouge dans tous les sens, et je dis à quelqu'un, tiens, tu vas lui dire. Donc ça va être compliqué, parce qu'il va faire qu'il court après celui qui bouge. Alors que si tout le monde est immobile,
Ah, je pourrais dire, tiens, tu vas dire à mon voisin, tu vas dire à mon voisin, tu vas dire à mon voisin. Donc l'information va toujours mieux circuler dans un corps immobile que dans un corps agité. À tel point, c'est qu'aujourd'hui, quand on appelle des supraconducteurs... Oui, les supraconducteurs. Voilà. Ouais. Et quelle est la caractéristique aujourd'hui des supraconducteurs? C'est que pour que ça marche, il faut les refroidir. Mais refroidir, ça veut dire retirer de l'agitation. Donc finalement, je les rends immobiles. Et en les rendant immobiles, alors l'information circule. Bon. Ça, c'est la première constante. Aligné, pourquoi? Je reprends la même foule que tout à l'heure. J'ai des gens en vrac. Je veux dire quelque chose à quelqu'un qui est à l'autre bout de la pièce. Ça sera plus compliqué s'il y a des gens partout que si tout le monde est en file. S'il n'y a qu'une seule file, puis qu'il est au bout, bah, je dis à un, qui dit à un, qui dit à un. Je suis sûr que ça va arriver. Donc, dans une information alignée, dans une structure alignée, l'information circulera toujours mieux. Alors, c'est pour ça qu'on parle de droit chemin, entre parenthèses. Le droit chemin, c'est pas seulement une valeur morale, ça peut être une valeur mécanique. Bon, le rapport que je fais toujours, que vous connaissez, c'est la différence entre le diamant et le charbon. C'est du carbone pur. Hein. Donc, pourquoi il y en a un qui est blanc, transparent et dur, et que l'autre noir et mou? Alors que c'est le même corps, c'est que du carbone. Donc si c'est pas le matériau, c'est la manière dont il est organisé. C'est le plan qui est dedans. Et ben, il y en a un qui est aligné, justement, sur plusieurs plans, alors qu'il y en a un qui est aligné que sur un seul plan. Donc évidemment, plus il est aligné, plus il laisse passer la lumière, donc ça devient blanc et transparent. Donc, on commence déjà à avoir une idée. C'est-à-dire, si j'ai un corps qui n'est pas transparent, si je l'aligne, il va devenir transparent. Alors, peut-être que c'est ce qui va se passer. Et enfin, silencieux, parce que celui qui parle n'écoute pas, et que souvent, nous, on veut, quand on va dans des lieux magiques, quand on va dans une cathédrale, on veut se remplir de quelque chose, mais on est déjà plein. Hein. Nous, on a nos émotions, on a notre vie, on a nos certitudes. Donc, le premier travail, c'est pas de se remplir, mais de se vider. Parce que pour remplir une coupe, d'abord, il faut la vider. Immobile, silencieux, aligné. Alors maintenant, ça c'est valable pour l'humain. C'est-à-dire, j'apprends, moi, dans ma vie de tous les jours, pour recevoir la lumière, pour être un initié. Je suis d'abord immobile, je suis silencieux, puis je suis aligné. Et si je le fais dans la matière, qu'est-ce qui se passe? Je prends un morceau de métal, je le rends immobile, silencieux et aligné, et bien il vient comme ça. C'est-à-dire que ce métal qui ne laissait pas passer la lumière... qui n'était pas cristallin, eh bien, il va le devenir. Alors, donc, l'opération, ça sera de prendre un métal, là, c'est de l'antimoine, ouais. De le mettre dans un creuset. L'antimoine, c'est un métal dans le tableau de classification périodique, hein, numéro atomique 51. Donc, c'est un métal, c'est pas un mélange, c'est un métal natif. Et je vais d'abord le vider, c'est-à-dire le rendre silencieux. Parce que le métal, il est agité, hein. Il a des émotions aussi, pourquoi pas. Pour l'alchimiste, hein, tout est vivant. Tout est vivant. Donc, c'est-à-dire que le minéral, végétal, animal, pareil. Hein. Donc moi, quand je prends un morceau de métal, ça se trouve, il est teigneux. Hein. Il est en colère, il râle, il n'est pas content, il a plein d'émotions. Donc le premier travail que je vais faire, je vais me mettre dans mon creuset, je vais faire sortir ses émotions. Donc pour lui faire sortir ses émotions, je vais l'ouvrir. Et puis je vais le mettre sur un feu. Alors donc, il y a plein de trucs qui vont sortir. Ça va fumer, ça va sentir mauvais, ça va... Donc c'est comme nous, hein. Et puis une fois que ça s'est fait, il va s'apaiser, il va se calmer. Ah, maintenant je vais pouvoir le remplir de quelque chose. Il devient immobile après avoir été devenu silencieux. Maintenant, il ne me reste plus qu'une chose à faire, c'est l'aligner. C'est-à-dire que toute sa structure aille dans le même sens. Alors, je vais continuer mon travail au creuset et là, il va s'aligner. Et une fois qu'il sera aligné, eh bien, quand je vais ouvrir mon creuset, le métal que j'ai mis dedans va sortir. C'est-à-dire que ça fait un peu comme des cristaux, quoi. Ça fait exactement comme des cristaux, ouais. Mais si je l'avais pris, je l'avais coulé sur une plaque, ça fait un morceau de verre. D'accord. Et c'est tellement vrai que certains vitraux sont faits comme ça. Ah oui. Il y a des vitraux où il n'y a pas un iota de silice dedans, c'est 100% métal. Alors imaginez les vertus que ça a, parce qu'évidemment le métal n'a pas la même vertu que la silice qui est neutre. Ça veut dire qu'il y a 7 métaux pour l'alchimiste, parce que pour lui, c'est le même métal à des états de maturation différents, c'est pour ça qu'il y en a 7. Je prends du plomb, puisque c'est vivant pour nous, hein, donc je peux le planter, je l'arrose, avec ce qu'il faut, et puis le plomb, bah, il se transmute en étain, en fer, en mercure, en cuivre, en argent, en or, et en lumière. Et finalement, le but de l'alchimiste, je vous rappelle que le but de l'alchimiste, c'est que la bulle soit remplie de lumière. Pour qu'il n'y ait plus de différence entre l'intérieur et l'extérieur. Soit je fais des trous et la lumière qui est à l'extérieur rentre, soit je prends de la matière et je la transmute en lumière. Donc à force de transmuter de la matière en lumière dans ce monde-là, je le remplis de lumière. Donc le but de l'alchimiste
Un des buts de l'alchimie, c'est pas transformer le plomb en or, mais transmuter le plomb en lumière. Le plomb en lumière. Vous voyez qu'il y a une différence entre la transformation et la transmutation. La transformation, c'est prendre une forme pour faire une autre forme. La transmutation, c'est prendre une forme et la faire disparaître en lumière. Alors évidemment, si moi je prends du métal et qu'il est déjà proche de la lumière, puisqu'il est immobile, silencieux, aligné, et que je le mets dans mes bâtiments sacrés, la lumière vulgaire, c'est-à-dire la lumière du jour, quand elle va passer à travers, elle va devenir rectifiée. Donc les gens qui sont dedans vont devenir rectifiés grâce au vitrail que j'ai fait. Et ça, d'accord, ça va influer vraiment. Absolument, absolument, ça va spiritualiser les gens, même s'ils ne s'en rendent pas compte. Alors évidemment, il y a des couleurs. Chaque métal va donner une couleur et chaque couleur va jouer sur une vertu particulière. Si je prends de l'argent, que je fais la même chose, le vitrail que je vais avoir, le vert que je vais avoir, il va devenir violet. Et quand la lumière va passer à travers, le violet est la couleur de la spiritualité. C'est pour ça que les évêques portaient du violet et qu'ils portaient une améthyste. Et c'est pour ça que quand vous allez à Chartres, par contre, il y a du violet partout. Alors il y a une raison à ça, c'est que le violet est la dernière couleur visible du spectre de notre monde. Au-dessus, c'est l'ultraviolet. Donc le violet est bien l'intercesseur entre le visible et l'invisible. Ce qui veut dire que si je fais des vitraux violets et que j'en mets partout, moi quand je vais rentrer dedans, j'aurai forcément envie d'être spirituel. Je serai forcément porté vers cette spiritualité. Et en plus, l'autre avantage, c'est qu'il y a toujours un bon et un mauvais côté, c'est que ça maîtrise la peur. Donc un vitrail violet permettrait de ne plus avoir peur et de s'ouvrir l'esprit sur la spiritualité, et pour ça j'utiliserai de l'argent. Après, je peux faire la même chose avec du mercure. Si je le fais avec le mercure, je vais avoir un vert orange. Et ce vert, il aura comme particularité, quand je serai éclairé par cette couleur, eh bien, de m'apprendre à écouter sans n'entendre que moi. Souvent, les gens n'entendent qu'eux. Vous savez, vous avez déjà des discussions avec des gens qui parlent d'un sujet, puis vous, vous intervenez, vous dites oui, il fait oui, oui, puis il continue, en gros, il s'en fout de ce que vous dites. Il fait juste oui, oui pour vous faire taire, et que pour que vous, vous puissiez continuer à parler. Bref. Et puis c'est les gens qui ramènent tout au seul sujet qu'ils connaissent. On peut parler de n'importe quoi d'autre, pof, on va revenir dessus. Alors là, quand on va être éclairé par cet orange, non, on va apprendre à écouter. Donc, c'est le début, finalement, de l'ouverture d'esprit, hein, puisque j'apprends à écouter, vous vous rendez compte. Entre parenthèses, c'est ce que Walt Disney nous dit avec les nains de Blanche-Neige, hein, puisque vous savez qu'il y a 7 nains, et que chaque nain a un caractère qui correspond au métal dont je suis en train de vous parler. Voilà. Et donc, si je prends du cuivre maintenant et que je fais la même chose, je vais avoir un vert vert. Et quand ça va m'éclairer, ça va m'apprendre à comprendre les autres. Donc on pourrait imaginer, je suis dans une entreprise, une salle où on réfléchit ensemble, où on doit travailler ensemble, ça serait très bien de l'éclairer en vert. Ou ça serait très bien d'avoir une plante verte. Ou ça serait très bien d'avoir un vitrail fait en cuivre pour éclairer en vert. Vous voyez qu'il pourrait y avoir des applications dans la vie de tous les jours. Si je fais de l'or, ça va me faire un vert jaune. Et quand je vais être éclairé par ce vert jaune, ça va m'apporter la lumière. C'est vraiment cette illumination. Si je prends du fer, ça va faire rouge. Et le rouge que je vais avoir, il va être très particulier. Il va me donner la force de construire. Si je prends de l'étain, ça va faire bleu. Et le bleu va me donner de la puissance. Je suis faible, j'arrive pas, je m'éclaire en bleu, mais fait avec de l'étain. Hop, tout de suite. C'est normal parce que l'étincelle, et le sel d'étain, c'est la foudre. On l'entend à l'intérieur. Alors que l'étain semble éteint. Et enfin, avec le plomb. Si je fais un verre au plomb, et un verre en plomb, je vous avais déjà bu dedans, puisque le cristal, c'est ça. Quand vous avez du cristal, des verres de cristal, c'est du verre avec du plomb dedans. C'est pour ça que ça sonne. D'accord. Ça rassemble ce qui était part au lieu de fractionner. Alors voyez, il me suffirait de prendre ces 7 métaux, d'en faire des verres, et on pourrait imaginer des espèces de salles métaphysiques, où on serait éclairé en fonction des problèmes de la vie. Il suffirait de rester donc fait bien de la... de la thérapie avec de la lumière, ça marche. Pourquoi pas, on se soignerait aussi l'âme à travers ces lumières. Alors évidemment, les vitraux sont intéressants parce qu'ils sont dans les lieux sacrés, ouais. Et les gens qui iraient dans ces lieux sacrés sans même y penser, eh bien, on pourrait imaginer des couloirs dans la ville sans qu'on s'en rende compte, par exemple, je sais pas, pour descendre dans le métro, avec ces éclairages, et tous les gens qui passent, eh bien, sont touchés par ces lumières sans même s'en rendre compte et en sort magnifique. Vous vous rendez compte ? Voilà une application. Alors, on va prendre un peu les,
les livres, parce que vous avez quand même une sacrée collection de livres ici, on va montrer un petit peu. Il y a des livres originaux, donc de traités alchimiques, c'est ça ? Tout à fait. Alors ici, il y a il y a beaucoup de livres fondateurs, c'est-à-dire des traités, des livres originaux qui existent en quelques exemplaires, voire en un seul exemplaire, et qui parlent d'alchimie, mais qui parlent aussi de tradition populaire, qui parlent de savoir-faire, qui parlent de magie, de sorcellerie, de... Puisque on est conservatoire de l'artisanal, et de l'artisanat, pardon, ça veut dire qu'on conserve. Ça ne veut pas dire qu'on croit à tout ce qui est dedans, ça ne veut pas dire qu'on utilise tout ce qui est dedans, mais ça veut dire qu'on le garde. Peut-être qu'il y a des choses vraies qu'on ne comprend pas, nous, et que dans 10 générations, quelqu'un va tomber dessus en disant « Ah ouais, c'est intéressant ». Alors, tout n'est pas forcément intéressant, mais il suffit qu'il y ait juste un mot, une phrase intéressante dans un livre pour que ça suffise. Donc, il y a un peu toutes les époques. Ici, il y a les livres qui sont entre le 12e et le 18e siècle. Et puis là-bas, on a le 19e et contemporain, où on a un peu tous les sujets. Alors, on a comme des choses comme ça, qui est... évidemment, pour un alchimiste, c'est un peu le Graal. C'est-à-dire, c'est le traité hiéroglyphique de Nicolas Flamel. Donc, les figures hiéroglyphiques, qui est... cette histoire de Nicolas Flamel, qui est quand même assez intéressante, à l'origine, c'est un écrivain. Parce qu'à l'époque, les gens ne savaient pas écrire. Donc, il fallait écrire pour eux. Et c'était un écrivain juré, c'est-à-dire un peu un juriste. D'accord. Donc, il écrit, il tombe plein de livres, il habite dans le quartier de la Boucherie, à côté de la Tour Saint-Jacques, qui n'était pas construit à l'époque. À Châtelet, d'accord. Voilà, à Châtelet. Et il vit sa vie. Et un jour, il tombe sur un livre. Et ce livre, il est écrit en hébreu. Alors, il ne comprend rien. Et il a un copain, parce qu'il y a une communauté juive importante qui s'appelle Saül, et il va lui montrer ce livre, et il se trouve que c'est le livre d'Abraham le Juif. Et ce livre d'Abraham le Juif parle d'alchimie. Nicolas Flamel, il connaît rien du tout à l'alchimie. Donc ça parle d'alchimie, et il dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Alors, Saül lui dit, écoute, moi je comprends ce qui est marqué dedans, mais je vois pas de quoi ça parle. Alors tu vas aller à Saint-Jacques, et sur le chemin de Saint-Jacques, tu vas aller voir... tel sage, et lui va t'expliquer ce qu'il y a dedans. Donc il y va, il rencontre le sage, qui lui explique pas tout de suite, mais il dit, je rentre avec toi. Alors il rentre avec lui, pas de chance, il meurt sur le bateau. Bon, c'est fini. Sauf que Nicolas Flamel, en chemin, il rencontre quelqu'un d'autre, on sait pas qui, un mystérieux personnage, qui lui décrit exactement ce qu'il y a dans le livre. Et il dit, voilà, c'est de la transmutation, tu vas pouvoir transmuter la matière en lumière, mais il va falloir que tu aides les gens autour de toi, que tu nourrisses les pauvres, que tu les soignes. Donc, je te donne ce secret, mais il va falloir que tu sois bon avec ça. Alors, il rentre chez lui, on est en 1385, et avec sa femme, Pernelle, dans les sous-sols de sa maison, il décide de mettre en pratique ce qu'il y a dans le livre. Il prend du mercure, et puis il fait des opérations, et le lendemain matin, c'est de l'or le plus pur. Alors comme il a cet or pur et qu'il a promis, avec cet or, il construit des hôpitaux, il construit des cimetières, il construit une auberge qui existe toujours aujourd'hui, qui est rue de Montmorency, c'est la plus vieille maison de Paris, et dans cette auberge, il nourrit gratuitement tous les pauvres de son quartier. Alors, le livre mythique d'Abraham le Juif, qui n'existe pas, on ne sait pas où il est, hein, dans lequel il est appris, je ne vous l'ai pas sorti, mais il est ici. Ah ouais? C'est pas vrai. Le voilà. Ça, c'est le livre original. Voilà, sur le un des originaux. Alors, on peut dire que Nicolas Flamel a appris là-dessus. Voilà le livre d'Abraham le Juif. Alors, pour tout être tout à fait juste, c'est à l'intérieur d'un livre de 1735, écrit en allemand. Mais les feuillets sont plus anciens, c'est-à-dire que ça a été collationné. Alors à l'intérieur, il y a des gravures qui sont très naïves, mais qui sont très connues, et qui expliquent le grand œuvre. Ça ressemble un peu à la caducée. Oui, ça ressemble vraiment à la caducée. Vous voyez, il y a même des fourneaux. Qu'est-ce qu'il va faire? Comment on va faire? Où est-ce qu'on va mettre le vaisseau? Donc c'est un vrai mode d'emploi. Hein. Alors vous imaginez? Le massacre du cimetière des innocents. Mais ça veut dire quelque chose, tout ça. Hein.
Alors, grâce à ce livre, il se met au creuset, il continue sa vie et il mourrait en 1418. Donc, il meurt. Mm-hmm. Bon, on l'enterre. On l'enterre au cimetière des Innocents, qui où est le carré des Halles aujourd'hui. Oui, aujourd'hui oui. Voilà, c'était un cloître. Et on l'enterre. Et sur sa pierre tombale, c'était un cloître, donc il y avait des arches comme ça. Et il y a une des arches au-dessus de sa pierre tombale qui décrit tout le grand œuvre. Alors, sauf qu'aujourd'hui, le cimetière, il est détruit. Donc, on n'a plus cette pierre. Alors, les gens, à l'époque, se disent « Nicolas Flamel, il devait être riche, il a des secrets, il a des pouvoirs, il est enterré. » Donc, qu'est-ce qu'ils décident de faire? C'est, ils vont dans le cimetière des Innocents, ils cassent sa tombe, et à l'intérieur, il n'y a personne. C'est-à-dire qu'on n'a jamais retrouvé le corps de Nicolas Flamel. Et c'est là, alors ça jette un froid, évidemment, c'est-à-dire que c'est là où la vraie légende commence, c'est-à-dire, où est le corps? Et on ne le sait pas. Alors, 200 ans après sa mort, on écrit un livre, et ce livre décrit le cimetière, et il décrit la pierre tombale. Et ce livre, c'est celui-là. Alors, ça, c'est, évidemment, celui-là, il est de 1612, donc 200 ans à peu près après la mort de Nicolas Flamel. Alors, est-ce que c'est lui qui l'a écrit? S'il est immortel, c'est lui, on ne sait pas. Si c'est quelqu'un d'autre, Arnaud de la Chevalerie, eh bien, est-ce un pseudonyme? Est-ce que... la légende qui traverse les arches, voilà. Nicolas Flamel, on l'aurait vu. On le voit partout. Alors, évidemment, je vous ai parlé de pierre tombale et de dessin. Alors, la description de sa pierre tombale est à l'intérieur de ce livre. Ça, c'est extraordinaire. Voilà, on a la planche ici. Donc, il décrit la pierre tombale. Avec vraiment tout le grand œuvre. Alors, on remarque quand même, c'est qu'il y a des traces de couleurs. Et que les traces de couleurs qui sont dessus sont faites à la main, elles sont d'époque. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, il y a 400 ans, avec un crayon, qui a mis les couleurs ici, qui a touché ce livre, il a mis ses mains où nous mettons les nôtres. Et pendant 400 ans, ce livre est passé de personne en personne, de laboratoire en laboratoire. Vous vous rendez compte de quoi il est imprégné? L'histoire qui est là-dedans. C'est pour ça que plus un livre est vieux, plus il y a de la force, on peut dire. Il peut avoir de la force, c'est-à-dire bien sûr à travers son âge, mais aussi à travers ceux qui l'ont eu entre les mains. Parce qu'on a aussi des livres où il y a des annotations, ouais. Ils ont mis quelque chose, ils ont mis leurs mains. Mais là, il est sûr et certain que je pose mes doigts à l'endroit où des anciens ont mis les leurs. C'est sûr et certain. Alors cette planche ensuite, elle est découpée en morceaux, et dans chaque chapitre, on va avoir la description de chaque morceau. Parce qu'évidemment, on nous parle du grand art, et pour que ça soit plus simple, voilà, alors ça, c'est un morceau qu'on retrouve. Ils sont plus significatifs. Alors, ça, c'est un autre morceau. Les deux dragons. Avec un vin, ouais. Encore un autre morceau, ici. Un homme et une femme. Voilà, on voit un morceau plus gros. Donc la figure d'un homme. Et on dit pourquoi, comment, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on a voulu dire. Donc ce livre est évidemment pour l'alchimiste un Graal, quoi. Oui. C'est-à-dire, c'est le bréviaire, c'est ce qui fait le lien avec Nicolas Flamel. Donc on a entre les mains ici le même travail, on fait la même chose que Nicolas Flamel. Donc c'est juste hallucinant, quoi. On a la certitude qu'il a existé, Nicolas Flamel. Ah oui, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain, il y a des témoignages. Oui, il y a son acte de naissance, son acte de mort. Oui. Non, il a existé. C'est pas une légende d'un personnage. Non. La légende, c'est est-ce que c'était un alchimiste ou est-ce que c'était pas un alchimiste? Est-ce qu'on l'a bien pas retrouvé dans sa tombe? Est-ce que tout ça, on n'en sait rien. On n'en sait rien d'une manière formelle. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il s'est bien marié, qu'il existe, et que du jour au lendemain, il a une fortune, on ne sait pas d'où ça vient. Ouais, il a eu beaucoup d'argent d'un coup. Au début, non. Ouais. Et après, oui. Ouais. Et la question, c'est d'où ça vient. Et surtout, cet argent, bon, bien sûr, s'il était un peu bigot, il était très religieux, donc on peut dire qu'il a eu envie d'aider les autres pour gagner son paradis. Mais enfin, il en a fait beaucoup quand même. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait plein d'autres personnes qui étaient bigotes, mais lui, il a fait quand même une auberge où il nourrissait tous les gens du quartier, tous les pauvres, gratuitement. L'hôpital des 15-20, c'est lui qui l'a fait. La tour Saint-Jacques, c'est lui qui l'a fait. Il a fait construire à Saint-Jacques de la Boucherie
Il a donné de l'argent à cette église-là, parce qu'il y avait une église immense à cet endroit-là qui a été détruite à la Révolution française, il ne reste plus que la tour. Oui. Mais c'est lui qui a mis de l'argent dedans. Donc ça veut dire que, non seulement il avait beaucoup d'argent, mais il n'a pas gardé pour lui. C'est-à-dire qu'il l'a donné avec une immense générosité. D'ailleurs, il y a une histoire intéressante avec la tour Saint-Jacques, c'est quand même la tour des alchimistes a été sauvée par le plomb. Alors qu'on pourrait imaginer qu'elle a été sauvée par l'or. Les révolutionnaires, quand ils arrivent, ils cassent tous les symboles de la religion. Parce que c'est sûr que la France a été sous le joug de la religion et de la noblesse pendant des siècles. Donc évidemment, quand les révolutionnaires sont arrivés, le premier truc qu'ils ont fait, c'est ils ont cassé tout ça. Donc ils ont cassé beaucoup d'églises. Et ils arrivent à Saint-Jacques de la Boucherie et disent « on va tout casser ». Et puis il y a un type qui est un entrepreneur qui dit « attendez, non, moi la tour, je l'utiliserai bien ». Et pourquoi faire ? Il faisait des plombs de chasse. Donc ça veut dire que c'était le plus haut édifice du quartier. Donc il montait tout en haut, il prenait du plomb fondu, en bas il y avait des bacs d'eau, et par les fenêtres, il jetait le plomb. Alors en tombant, le plomb se met en bille et se refroidit dans l'eau. Donc la tour Saint-Jacques a été sauvée par le plomb et pas par l'or. C'est quand même une belle histoire. C'est vrai, c'est une très belle histoire. Sinon, elle aurait été détruite comme Saint-Jacques. C'est pour ça que maintenant, elle siège toute seule. Donc, voilà, elle est toute seule. À l'origine, c'était juste le beffroi d'une église qui était beaucoup plus grande. C'était pas une tour, quoi. C'est ce qui reste. C'est ce qui reste. C'est comme si on avait fait Notre-Dame, on aurait tout cassé, on aurait laissé une tour. Ça n'a pas été construit comme ça et ça n'a pas été construit pour ça. Alors, il y a un autre ouvrage. Alors, il y en a un autre qui est évidemment encore plus rare et encore plus mythique, mais plus récent. Ouais. C'est les alchimistes se transmettent aussi un secret, les secrets de fabrication à travers un livre. Qui est le traité, comment dirais-je, le Mutus Liber. Le Mutus Liber. C'est-à-dire le livre muet. Et ce livre muet n'a que des gravures, n'a que des dessins à l'intérieur. Alors en voilà un exemplaire. Évidemment, il est protégé parce que c'est rare. Donc ce ne sont que des gravures. C'est-à-dire qu'il y a très peu de textes, il y en a un peu, mais ce texte n'explique pas les gravures. Il y a 15 planches. Alors vous voyez, c'est très allégorique. Hein. Ouais. Tu vois, si on ne sait pas de quoi on parle, on ne comprend rien. Même si on pourrait imaginer que ça, c'est ce qu'on voit dans ça. Parce que si vous voyez cette forme ici, vous la retrouvez là. Donc on peut imaginer que d'une manière allégorique, on a voulu expliquer, dedans, il y a ça. Alors on voit qu'il y a un soleil, on voit qu'il y a un personnage qui relie deux autres personnages, un homme et une femme, une lune et un soleil. Donc en gros, c'est comme si, par ce feu, eh bien, on essayait de rassembler à l'intérieur du ballon quelque chose. Et la question, c'est, ça doit être un gros feu, un petit feu, ça doit être fort, pas fort. Regardez, il y a une toute petite flamme ici. Alors il faut la voir, c'est un peu un jeu de piste, hein. Donc on peut dire, par une toute petite flamme, tu vas rassembler les deux natures à l'intérieur. Et ces deux natures, on peut s'apercevoir que ce n'est pas des produits solides, c'est comme des gaz. Et pourquoi c'est comme des gaz? Parce que regardez, on a ici deux personnages avec des ailes. D'accord, ouais. Donc ça veut dire que c'est très volatile. Donc il y a des volatiles à l'intérieur qu'on va rassembler grâce à un petit feu. Vous voyez, c'est un mode d'emploi. Bon, je ne vais pas tous vous les décrire, je vais vous les faire voir. À titre documentaire, parce que d'un point de vue poétique, c'est très beau. Hein. Oui, c'est très. Des symboles. Ah, c'est que des symboles. Il est extrêmement connu, ce livre. Hein, il est très. C'est un des plus connus. Ouais, c'est un des plus connus. Ouais. Bon, sauf que là, c'est un original. Oui. C'est effectivement un des plus. Oh, regarde la puissance des noirs. Bon, je vous rappelle que ça a quand même 300 ans. Hein. 300 ans. Hein. L'encre particulièrement bien tenue, quoi. Particulièrement bien tenue, oui. C'est vraiment un très bel exemplaire. On a même des vieillards qui mangent des enfants. Ça, c'était pas mal vu à l'époque, quand il y avait ce genre de dessin. Là. Alors si, bien sûr, si c'était pas compris, on pouvait se poser la question. C'est pour ça qu'un certain nombre d'alchimistes sont partis au bûcher, aussi. Ah. Oui, alors c'est aussi le sens du secret. Parce qu'il faut savoir que jusqu'en 1229, il n'y a pas d'inquisition. Donc ça veut dire que ben, ceux qui font de l'alchimie sont plutôt bien vus. D'ailleurs, il y a des ecclésiastiques qui font de l'alchimie.
Pourquoi ? Parce que faire de l'alchimie, c'est montrer que Dieu est dans chaque chose. Finalement, que la lumière est dans chaque chose. Donc, bah, c'est pas une mauvaise idée. Puis un jour, il y a des gens qui disent « Dieu a caché des secrets dans la matière, c'est pas à l'homme d'aller y voir. » Et à partir de ce moment-là, ceux qui font de l'alchimie vont au bûcher. Mais les médecins, par exemple, ne peuvent plus ausculter leurs patients. C'est-à-dire qu'ils peuvent les ausculter, mais sans les toucher. Ce qui pose un problème. Et c'est pour ça qu'à partir de ce moment-là, les alchimistes soit quittent le pays, vont ailleurs, vont dans des pays plus ouverts, soit ils rentrent dans la clandestinité. Ils commencent à se cacher. C'est quoi les pays plus ouverts en Europe ? Alors après, on va avoir tous les pays de l'Est, ouais, qui vont être plus ouverts, les pays du Nord, qui vont être plus ouverts. On va avoir l'Angleterre, qui va être plus ouverte. Donc on va avoir des alchimistes qui vont se retrouver dans ces pays-là. En fait, hors de la sphère, on va dire, catholique. Voilà, tout à fait, exactement. Hors de la sphère catholique. Alors après, ça va continuer dans le temps. C'est-à-dire que quand il va y avoir des pays protestants, il y aura plus d'alchimistes dans les pays protestants que dans les pays catholiques. Ah, d'accord. Oui, parce que les protestants n'embêtent pas les alchimistes. Parce que les protestants ne reconnaissent pas les saints, ne reconnaissent pas, ils sont beaucoup plus... carré, mais ils sont... On n'a pas exemple de persécution faite par les protestants. Alors qu'on a des angles de persécution faits par les catholiques contre les protestants et contre les autres. Donc, ils avaient une vision différente. Alors, à tel point, c'est qu'on a des tas de livres qui sont imprimés en Suisse, qui sont imprimés à Amsterdam, qui sont... Parce que c'est pareil, pour imprimer un livre en France, il faut l'imprimature. C'est-à-dire qu'il faut l'autorisation, soit de l'Église, soit d'un haut personnage. On ne peut pas sortir n'importe quoi. Vous allez voir, il y a des livres ici, c'est sous privilège du roi. C'est-à-dire c'est marqué d'avant, j'ai réussi à imprimer ce livre grâce à monsieur machin qui me permet de le faire. Donc c'est le roi qui donne son autorisation. C'est le roi qui donne le privilège, et, ou un haut personnage, qui va donner privilège. Ça veut dire que vous ne pouvez pas décider comme aujourd'hui de faire un bouquin et puis de le sortir comme ça. Et il faut savoir qu'à l'époque, souvent le libraire était aussi l'imprimeur. C'est-à-dire que c'est celui qui vend, c'est celui qui les fabrique aussi. Il n'y a pas de réseau de distribution comme on le connaît aujourd'hui. Ce qui veut dire que les livres ne sont pas donnés d'une manière aussi simple. C'est compliqué d'avoir des livres, on n'a pas des livres. Après, vers le 18e, là, comme ça commence à tourner, commence à y avoir des presses, on commence à faire des choses. Mais avant, du temps de Nicolas Flamel, par exemple, un livre, ça valait le prix d'une maison aussi. Ouais. Et avant Gutenberg, c'est-à-dire avant qu'on fasse la presse à imprimer, eh bien, pour avoir un autre livre, il fallait le recopier. Alors là, ça prenait des années. Ça prenait, parce que ça fallait le recopier, dessin y compris. Donc ça veut dire que c'est pour ça que les livres étaient très rares. Par exemple, pour vous donner un exemple, au Mont-Saint-Michel, qui, du temps de la merveille, c'est-à-dire Robert de Torigny, on est au XIIe siècle, qui était considéré comme la bibliothèque de l'Occident, il y avait 140 livres. C'est-à-dire qu'il y en a plus ici qu'il y avait au Mont-Saint-Michel. Là, moi, chez un particulier, là, c'était la bibliothèque de l'Occident. Donc, pour vous donner une idée de la préciosité des livres, et c'était tellement précieux qu'on a perdu beaucoup de livres parce que il n'y avait pas de papier, donc on utilisait du vélin, c'est-à-dire c'est de la peau de veau mornée. Ouais. En gros, on écrivait sur du cuir, mais quand on prend du cuir, il y a des grains. C'est les grains de la peau, quoi. Ouais. Donc, il fallait que ce soit une peau sans grains. Et la peau sans grain, c'était la peau de veau, mais pas née encore. Donc c'est ça le vélin. C'est quoi, on avortait un veau ? Oui, on avortait un veau, on récupérait la peau, et avec cette peau... Alors vous voyez comment c'était compliqué pour faire un truc pour un livre, hein ? Donc il n'y avait pas d'avoir beaucoup, quand même. Un, il n'y en avait pas beaucoup, et deux aussi, ça voulait dire que quand le livre vous intéressait plus, on le grattait pour réécrire dessus. Donc on a, au lieu d'avoir plusieurs volumes, on a perdu un certain nombre de livres qui ont été grattés, mais des avec des enluminures, avec des trucs incroyables. On se mettra à genoux aujourd'hui dessus, on les a grattés pour écrire autre chose. Oui. Donc, vous voyez, on a perdu des livres. Donc, mais c'est pour ça que le livre aussi avait une importance, parce que justement il était rare. Alors c'est sûr que beaucoup de livres étaient des livres religieux. L'essentiel, c'était des livres religieux, mais on avait des livres aussi, on avait des livres d'alchimie, mais on avait des livres de sciences, de techniques, d'astrologie, d'astronomie, autre chose, parce que tout était un peu mêlé. Aujourd'hui, on fait la différence, mais celui qui faisait, par exemple, un livre de médecine, dedans, il mettait de l'astrologie, de l'astronomie, de l'alchimie, parce que c'était la même chose. Aujourd'hui, on dit, non, maintenant, on a des trucs sérieux, et puis la chimie, ça n'existe pas, ça. Mais à l'époque, c'était pas du tout le cas. Là, j'ai des livres de chimie,
1757, le livre de Nicolas Lemery, c'est un chimiste. Et bien, si je feuillette les pages, j'ai que des termes d'alchimie dedans. Parce que c'était pas différencié. On faisait la même chose. Il y a qu'avec le siècle des Lumières, on a dit non, 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 il y a la chimie. L'alchimie, c'est un truc superstitieux, on touche pas à ça. La chimie, ça existe, on fait des expériences. Mais il fut un temps où c'était pas du tout séparé. Pas du tout. Et si on prend des livres comme celui de Nicolas Lemery, qui est là-haut, qui est le cours de chimie. Ça, c'est mon exemplaire de travail, parce que j'en ai écrit un autre, enfin, là, c'est pas celui-là, ça, c'est celui des drogues. Mais il faut s'entendre sur ce qu'on appelle les drogues. Hein. Aujourd'hui, si je dis c'est le livre des drogues, on va me mettre en prison. Mais en réalité, c'est un livre qui permet de faire des médicaments. C'était ça, les drogues. D'ailleurs, souvenez-vous, on avait des droguistes. Des droguistes, mais même en anglais, ça restait drugs. Exactement, exactement. Donc là, c'est des formules pour faire des médicaments à l'époque. Et ceci, voilà, ça c'est vraiment le livre de chimie. Vous voyez, cours de chimie, cours hein, de chimie c'est clair. Hein. Alors, C-H-Y. C-H-Y, oui. À l'époque. Alors, on voit le libraire, on voit l'édition de 1757, et vous voyez dessus, c'est marqué « Approbation et privilège du roi ». Donc ça veut dire que, voilà, « Avec approbation et privilège du roi ». Et là, il nous explique pourquoi, et voilà, ça commence par « Monseigneur », c'est-à-dire qu'il y a le remerciement avant, « Monseigneur, je vous remercie de ce qui s'est permis, Monseigneur, de publier, qu'elle ait trouvé en vous un juge éclairé. Ah, évidemment, on tartine épais. Hein. C'est-à-dire que le remerciement, il est quand même... ça se termine par Monseigneur. Alors ici, c'est un livre de chimie. Et si je prends au hasard un certain nombre de choses que je vais voir à l'intérieur... Donc regardez à quel point... comment 1757, quand même. Hein. Ça veut dire qu'il est quand même pas mal conservé. Hein. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que ce livre contient à la fin des planches. Il faut que je vous fasse voir celle où on parle justement. Alors, évidemment, il y a des planches qui expliquent le matériel à utiliser. Et c'est intelligent parce que c'est fait de telle manière que si je referme le livre, je vois quand même la planche. Alors, il y a surtout des certaines planches que je vais vous faire voir. Voilà. Alors, vous voyez, c'est les explications des symboles. Tous ces symboles sont des symboles alchimiques. D'accord. Alors qu'on est ici sur un livre de chimie. Tous les symboles sont des symboles alchimiques, avec les termes qu'il y a en face. Par exemple, on ne parlera pas d'acide sulfurique fait avec du cuivre, mais on parlera d'un vitriol de lune ou de Vénus. On parlera de safran de Mars. Si je vous parle de safran de Mars, on ne comprend rien. Mars, c'est du fer. Le safran, c'est une poudre de fer. Donc le safran de Mars, c'est de la rouille. D'accord. Vous voyez qu'on parle d'un produit chimique, mais avec des termes alchimiques. Alors pourquoi ? Parce qu'on ne faisait absolument pas la différence à l'époque. Vous voyez qu'il y a un certain nombre de... Tout ça, c'est la correspondance donc des symboles, alchimiques avec ce que ça veut dire en français, quoi. De planches. Alors, vous voyez, et on trouve ça où ? Dans un livre de chimie. De chimie, et pas dans un livre d'alchimie. C'est-à-dire, c'est à une époque où la chimie... C'était la même chose. Ouais, c'était, il y avait une fusion complète entre les deux. C'est pas mal, parce que finalement, on mettait un peu d'esprit dans la matière. C'est dans l'époque moderne, 19e, que ça se sépare. Oui, après le siècle des Lumières, surtout après la Révolution française. Avec vraiment Napoléon, là on a une séparation assez importante entre les chercheurs, les savants et ceux qui faisaient des trucs bizarres, quoi. Mais bon, on a tendance à y revenir maintenant. C'est-à-dire que les gens se rendent compte, c'est pas moi qui l'ai dit, que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et que la science brute et dure, bah, s'il n'y a pas d'esprit derrière, bah, ça ne marche pas.
Et là, on se rend compte que, bah, effectivement, c'est pas mal qu'il y ait de l'esprit derrière. Voilà, alors après, on a des livres plus modernes, ouais. Comme un livre comme celui-ci. Ouais, voilà, bon. Ça, c'est alors, 1883, c'est un meuble. Hein. Alors, ça, c'est. Le poids de la culture. Ouais, gros livre. Donc, c'est un gros livre, un vrai in-folio. Et c'est Faust. Alors, écrit par Goethe. Oui. Alors, Goethe, évidemment, qui s'intéresse à la chimie. Parce qu'il écrit un livre qui s'appelle Le Serpent Vert. Et on sait que si c'est vert, il y a quelque chose de caché. On l'a vu, il écrit évidemment Faust. Et Faust est l'histoire d'un alchimiste. Sauf qu'il n'arrive pas à faire de l'alchimie, alors il invoque un démon, et c'est Méphistophélès qui arrive. Et ce démon, il lui dit, bah, je vais t'expliquer comment faire de l'or. Puis tu vas devenir riche, puis tu vas avoir des femmes, puis tu vas être puissant. Puis... Alors il l'accepte. Et puis après, il se rend compte qu'il lui apporte tout sauf l'amour. Parce qu'on peut apporter que de la matière, que des émotions, mais pas de l'amour. Ça, c'est aussi une leçon de l'alchimiste. Notre quête, c'est pas la quête de l'émotion, mais la quête de l'amour. Alors, quand il se rend compte que, finalement, bah, il s'est fait avoir, donc il redonne tous ses trésors, et il préfère être vieux, pauvre, ne pas avoir trouvé, plutôt que de voir sa réussite à un démon. Alors, ça, c'est l'histoire. Ça, c'est l'histoire. Alors, évidemment... c'est le texte qui est dedans, de Goethe. Alors là, c'est évidemment la version française, l'original est en allemand. Vous voyez qu'il y a des gravures qui sont quand même... superbes. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles sont... très, très travaillées. Alors, quand on passe la main dessus, on sent même la pression. C'est-à-dire, vous voyez, on sent la pression de la presse. Oui, ouais. C'est comme si c'était gravé. Donc, ça veut dire que ça a été fait une presse à la main, un par un. Donc, le travail... Alors, c'est très romantique, hein, c'est très romantisme allemand. Alors dans ces gravures-là, on a par moments des gravures absolument exceptionnelles, uniques. Je vais essayer de vous en trouver. Voilà. Ah, bravo. Ça c'est super, on aurait dit une photo, quoi. Je vous rappelle que c'est une gravure. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un avec une plume qui a fait ça. Donc ça veut dire que chaque trait qu'on voit, chaque détail, disons, c'est un trait de plume. Puis regardez la qualité, l'expression, le volume. On a quasiment l'impression que c'est du 3D, hein, qu'on va pouvoir rentrer à l'intérieur de l'image. Hein. Puis il joue beaucoup avec les ombres. Voilà. Les ombres comme c'est ça, là, et c'est ça, les profondeurs. On a un profond... C'est une mise en scène. C'est le principe de la photo. Quoi. Absolument. Appliqué, absolument. La profondeur de champ, la netteté, le contraste. Absolument. Sauf que c'est du dessin. Et ça, bah... Alors rien que même si on comprend rien, la beauté, finalement, fait que, bah, il se passe quelque chose. Je vais en faire voir d'autres. Parce que elles valent quand même le coup d'être vues. Vous voyez, c'est la tentation. On voit ici l'alchimiste, puis on a Méphistophélès qui est là, qui le regarde. Puis ça, c'est tout ce qu'il lui propose. Il dit, tu vas être riche, tu vas avoir des femmes, tu vas être puissant. Et lui, il dit, j'y vais pas. Celle-là est très belle. Alors on voit la puissance, regarde ce relief, hein, on a l'impression qu'elle sort de la page. Hein. Le détail des arbres, le détail est hallucinant. Le détail est incroyable. Oui, je ne sais même pas comment quelqu'un d'humain est capable de faire ça. Ce qui prouve, entre parenthèses, que l'homme est capable du meilleur comme du pire. Hein. Parce que quelqu'un capable de faire ça, ça ne veut pas dire que c'était quelqu'un de bien, hein, je ne le connais pas. D'orfèvre dans c'est ça, série. Exactement. Exactement. Surtout qu'il est... évidemment, après ça, pour être imprimé, c'est fait ça sur une plaque de cuivre. Ah, oui. Donc, c'est pas seulement dessiné. C'est-à-dire que d'abord, c'est dessiné. Après, c'est reporté sur une plaque de cuivre. Après, c'est gravé. C'est-à-dire que chaque trait qu'on voit ici est gravé. Et ensuite, on imprime. Donc, ça veut dire que c'est encore pire, enfin, ou mieux... que de faire seulement un dessin. Un dessin, ouais. C'est un gros travail. Donc voilà un exemple de livre donc, qui appartient à la bibliothèque et qui permet de se replonger un peu dans le romantisme allemand.
Et ce qui montre d'ailleurs que les Allemands, se sont, dans les pays de l'Est, on s'est beaucoup intéressés à l'alchimie, à tel point c'est qu'il y a des villes aujourd'hui qui sont emblématiques, qui sont vraiment des villes, je pense à Prague ouais. par exemple, qui est une des capitales de l'alchimie. Quand on va là-bas, on ne peut pas se promener sans voir un symbole alchimique à plus d'un mètre l'un de l'autre. Hein. C'est-à-dire qu'en garde, on lève le nez, il y en a partout. Il y en a partout. Et d'ailleurs, en haut, il y a une rue qui s'appelle la rue de l'Or, près du château. Où on voit la rue de l'Or, oui. C'est pas la rue des Nains avec les petites maisonnettes ? Non, c'est, l'origine c'est la rue de l'Or, mais évidemment c'est des petites maisonnettes. Alors après, on, on peut l'appeler la rue des Nains, mais ce qui se passait, c'est que Rodolphe II, qui était un empereur, qui était affreux, il était pas beau du tout, mais extrêmement intelligent, très sensible, et il a fait venir tous les alchimistes à lui. Et ça l'intéressait tellement que près de son propre château, il a fait une rue et il a fait des maisons pour loger les alchimistes. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est plein de petites maisons. Et dedans, il avait juste de quoi dormir, puis son petit laboratoire d'alchimie. En gros, c'est plus des laboratoires que des maisons successives, avec juste un lit pour dormir. Alors il allait voir, il passait chaque jour voir ses alchimistes, ce qu'ils avaient fait. Puis bien sûr, il y a une histoire très importante avec le golem. Ouais, le fameux golem. Voilà, Prague, le golem, mais qui est plus antérieur, avec le rabbin Lov. Lov en hébreu, ça veut dire le lion. D'ailleurs, il avait une tête avec une crinière, comme ça, avec des cheveux blancs tout autour. Et il y a une histoire très très croustillante, enfin, que je vais vous raconter. C'est bon, déjà l'histoire du golem, c'est la communauté est menacée par des gens, et donc elle demande à son rabbin, mais qu'est-ce qu'on va faire? Alors le rabbin, il dit, écoutez, je peux vous faire un truc, je vais vous faire un robot. C'est le premier robot. Il prend de la terre, de la glaise du fleuve, il fabrique un homme, puis il lui insuffle la vie. Alors comment il lui insuffle? Il marque trois lettres hébraïques sur le front, Aleph, Mem, Tav. Un mot qui se dit Emet, qui veut dire vérité. Le Aleph, c'est la lumière, le Mem, c'est le contenant, et le Taf, c'est jusqu'au bout. Ça veut dire, je te remplis de lumière jusqu'au bout. Alors, hop, il se réveille, il a une âme, il est animé, et il fait ce qu'il va faire, c'est un géant de pierre. Hein. Donc ça veut dire que quand il est menacé, il met en déroute les armées, hein. Il n'y a aucun problème. Donc la communauté est très contente, mais on ne sait plus quoi faire du golem maintenant qu'on est débarrassé. Alors ils le mettent au milieu du village, et les gens commencent à se plaindre qu'il est moche. Alors qu'il les a aidés quand même, hein. Donc, ils décident de mettre une barrière, une barricade autour. Donc, ils érigent une barricade autour. Puis après, les enfants au-dessus de la barricade, ils jettent des pierres. Alors que lui, il était gentil, quoi, il était pour rien. Alors, à un moment, le golem, il en a assez, il fait un geste d'humeur, mais c'est le golem. C'est-à-dire que s'il fait un geste d'humeur, c'est que la palissade, elle va voler, puis les gens qui étaient autour aussi, donc ils tuent des gens. Donc, la communauté décide de dire, eh bien, faut le tuer, quoi. Alors, pour le tuer, le rabbin, il dit, vous êtes sûr ? Ben oui, excusez-moi. Alors il suffit de retirer la première lettre. Donc il s'approche du golem et il retire la première lettre, le Aleph, c'est-à-dire la lumière. Et là, le mot qui reste, c'est Met. Et Met, c'est mort. Vous savez, comme Helchek Mat, le roi est mort. En hébreu, en arabe, c'est un mot très proche. Donc, il tombe mort. Et on dit maintenant, sa peau, sa chair, c'est la terre, on va aller l'acheter dans le fleuve. Et la fille du rabbin qui dit, ben non, c'est pas juste parce que même si il a détruit des choses, mais il n'y était pas pour, il nous a aidés. Donc il faut qu'on l'enterre dans un lieu consacré. Alors personne ne veut. Alors elle a une idée, elle prend des seaux, et elle met la terre dans les seaux, elle va les cacher dans le plafond de la synagogue. Alors pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que je fais un voyage à Prague, et je vais dans cette synagogue-là. Et je rencontre quelqu'un et je discute avec lui. Et je lui dis, alors, voilà, l'histoire du golem, est-ce que c'est vrai? Alors, non, il dit, non, c'est pour les touristes. Et l'histoire que la fille du rabbin, elle a caché la chair dans le plafond. Et il dit, non, non. Puis on discute de choses d'autres. Et au moment de sortir, la porte est entrouverte, moi je suis dehors, lui dedans. Et il me dit, mais des fois on entend marcher là-haut. Et il ferme la porte. Et moi je me retrouve dehors, on dit, mais... Ça, c'est tout à fait l'humour kabbaliste. Au dernier moment, il dit un truc, puis il dit juste un truc qui fait que quand on va derrière la synagogue, à un endroit qui est un peu plus discret, il y a une échelle qui monte à une porte qui est dans le toit, en plomb, avec un sceau de Salomon dessus. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? On ne sait pas. Mais en tout cas,
C'est à la fois une belle histoire qu'on peut vérifier sur place. En tout cas, sacrée histoire du golem, parce qu'on voilà. En entend souvent parler, on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Voilà. Et ben en tout cas, merci hein, pour cette interview. Eh bien, merci de votre présence. C'est un plaisir, hein, comme d'habitude. Et voilà, tous ceux qui découvriront ces images, ben, on en aura encore appris beaucoup. Donc, ben, merci à vous et merci à Patrick Blas, Stelas, et à toute l'équipe Meta TV. Merci à vous.